La l'unique rose. Ça va bien et toi? Que fais-tu de beau? Moi aujourd'hui, je vous propose un petit stream tranquillou d'une aquarelle de perruche spéciale pour la Saint-Valentin. On les appelle les inséparables. Ça va, je fais rien, même si j'ai plein de trucs à faire à la maison. Ah, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie de ne pas faire les tâches que j'avais prévu de faire. Le ménage, tous les trucs qu'on avait, la paperasse. Bah voilà, je vais attaquer gentiment ma petite tilu. Cette fois, j'ai préparé mes pinceaux. J'ai préparé aussi un papier pour tester mes pinceaux. Il me manque un truc, je crois que c'est mon chiffon et je dois être assise dessus. Non. Je sais pas où est mon chiffon. Si, je suis assise dessus. Voilà. Sympa avec la bougie. Ouais, j'ai essayé de faire une petite ambiance un peu love love quoi. Du coup, il y a la bougie. J'ai changé le fond de mon bureau. J'ai même une tasse. Là, j'ai mon petit thé là. J'ai une tasse avec des. Alors, c'est pas des perruches, mais c'est des perroquets amoureux. Donc j'ai fait vraiment la totale niveau ambiance Saint-Valentin. Voilà. Et ben c'est parti. Bon, plus que quelques roses. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que j'ai des petits... J'ai pas de roses, non. Mais j'ai des fleurs, j'ai des pétales de fleurs. Je vais faire ça. Je reviens, je vais mettre des petits pétales de fleurs. En mode kitsch, je pense, ouais. Et voilà, comme ça, on s'est fait une ambiance Saint-Valentin et je vais même rajouter, les gars, vous n'êtes pas prêts, une plume de perruche pour aller avec mon dessin du jour. Là, c'est la totale. Hey, salut, Ninon! Là, je vous avoue, je remets mon micro, c'est mieux. J'ai fait dans le kitsch aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Ok. Une vraie streameuse pro. On n'en est pas encore là, mais j'ai même pris une petite pierre pour décorer. Oh là là. Voilà. Ça va pas me laisser beaucoup de place au matos. Tout ça. Du coup, je vais commencer par quoi aujourd'hui? Ben, je vais commencer par les yeux ou. Je sais pas trop. Ouais, non, je vais. Non, je ferai les yeux après. Oh, je sais pas. Je vais faire mes ombres. Hop. Cette fois, j'ai pris du papier pour tester. Hop. Oupsi. J'ai du papier. J'ai toutes mes palettes, j'ai tout ce qu'il faut. Normalement, j'ai même pas besoin de me lever. Hop. Ouais, ça va être bien. Hop. Je vais pas faire comme d'habitude. Je vais pas faire des aplats parce que je vais. Je vais uniquement, enfin, pour garder l'effet plume,
Je vais vraiment garder pas mal de zones de blanc, donc je vais vraiment travailler pas au poil près, mais voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Donc, je vais commencer par une petite sous-couche bleue du plumage dans les zones les plus sombres. Je pense que les pétales vont vite me gêner en fait. Comment vous allez? Sachant que là, la partie que je suis en train de faire, plus tard, ce sera rouge. Nicros, tu me dis, je ne connaissais pas ce genre de stylo. En même temps, je ne connais pas grand-chose en dessin peinture. Ouais, c'est super pratique. J'en parle à chacun des lives. C'est les stylos à réservoir d'eau. Et ça te permet de ne pas faire des allers-retours entre ton pinceau et ton gobelet, quoi, pour tremper à chaque fois. Donc ça distribue la bonne quantité d'eau. Mais tu n'as pas besoin d'y connaître grand-chose pour tester, hein, si tu as envie. Si tu as des questions ou quoi, en tout cas, n'hésite pas. Mais c'est hyper pratique. C'est vraiment hyper pratique. Franchement. Après, c'est vrai que pour les grands aplats, vaut mieux. Attendez. Pour les grands aplats, il vaut mieux avoir des gros pinceaux. Donc, et vraiment, ceux-là, les tremper dans l'eau. Mais là, comme je suis sur quelque chose d'assez petit, au final, ça s'y prête très bien. Droite. Ah, c'est mieux. Vous pouvez voir ma magnifique tasse dans le thème du jour. Du coup, je vais remplir un tout petit peu les yeux là, la partie qui sera foncée. Je vais garder un peu de blanc évidemment pour les reflets. Je sais pas trop ce que j'ai fait d'ailleurs pour celui-là. J'ai fait un dessin. J'ai fait un reflet bizarre. Je sais pas. J'ai fait ça vite fait. En ce moment, c'est le rituel. Avant de faire un live, je fais mon dessin en vraiment 30 secondes. Et du coup, c'est pas toujours hyper détaillé, mais ça nous permet de décider ensemble de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Par exemple, je n'ai pas encore arrêté mon. Ma décision sur la couleur ici, normalement, c'est du vert. Donc c'est rouge ici et vert en bas, mais je suis ouverte à d'autres propositions de couleurs si jamais il y en a. Donc si vous avez envie d'une couleur aujourd'hui pour cette petite perruche, vous pouvez me proposer dans le chat. Il n'y a pas de souci. Là, je vais essayer d'y aller doucement parce que j'ai pas envie de lui donner un regard trop dur. Comme si, vous voyez, elle avait des sourcils, donc faut pas que j'insiste trop sur la zone du dessus, sinon on va croire qu'elle n'est pas contente. Donc elle a un air doux, donc j'y vais mollo. De toute façon, le bleu, là, je vais pas en mettre beaucoup aujourd'hui, parce que après je vais travailler sur des nuances de vert, de jaune. Enfin, ça dépend de la couleur qu'on choisit, du coup. Mais je vais pas trop mettre de zone d'ombre, en fait, au final. Je vais en mettre à l'extérieur, ici, là. Pour délimiter un petit peu, je vais en mettre aussi sur la bordure ici. Quand on changera de couleur, ça me permettra de bien contraster. Mais voilà, si vous avez des idées de couleurs, n'hésitez pas. N'est pas impossible qu'à un moment je me fasse un petit croque de quelque chose parce que j'ai pas déjeuné. En fait,
On a pris des croissants avec mon chéri, pain chocolat croissant ce matin, café et tout, vers 11h. Et voilà, on a bien, bien, bien mangé. Donc là, j'avoue que l'appétit n'est pas. Enfin, il est arrivé tard, quoi. Tard, oui, 16h, oui, c'est tard, ouais. C'est carrément tard. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, non. Ouais, je vais pas trop mettre finalement du bleu. Pas tout du long, juste ici pour montrer un peu le pli de son cou. Ça n'ira peut-être pas plus loin que ça, voilà. Et lui, non, puisqu'il j'emmène uniquement à l'extérieur aussi. Je dis lui et elle, je pars du principe déjà que c'est un mâle, une femelle, ce qui n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi. Vous aussi, quand vous voyez des animaux, vous déduisez de leur sexe, enfin de leur genre. Genre, par exemple, quand je vois des chats, et souvent je me trompe pas, je dis, ah, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Je vais insister un petit peu sur le petit pli là que j'aime bien. Ouais, hop. Là, ce sera vraiment léger, léger. Hop. Ici aussi, un tout petit peu pour limiter. Enfin, délimiter, pardon. Hop. Oui, c'est vrai, nécrose. Les chats, tu peux deviner la taille aussi, c'est vrai. C'est vrai. Bon, parfois on se trompe, mais ouais, c'est vrai. Et là, je sais que, par exemple, je regardais il y a des chats qui se baladent dans le jardin, enfin, juste en bas de chez moi, j'ai vu sur le jardin de la voisine, mais j'ai vu sur d'autres jardins et des toits et tout ça. Il y a plein de chats qui se baladent et souvent, je m'amuse à dire, lui, c'est un gars. Je sais pas. Et donc, vous noterez qu'évidemment, là, ça forme un cœur, hein, le couple là de perruches. Voilà. Là, je vais faire aléatoirement quelques petites comme traces de plumes, on va dire, pour suggérer en fait leurs ailes, leur début d'ailes, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas sûre que ça commence vraiment là, mais c'est de la suggestion. Ça va être un peu flouté, je vais pas les finir totalement en bas. Je pense que ça va rester dans le flou. Comme ça, je ne vais pas jusqu'au bord. Et si jamais je pourrais peut-être même recadrer, redécouper mon papier en fait, pour avoir peut-être un format un petit peu plus carré, qui je pense se prêtera mieux à ce genre d'élu en fait. Côté cœur, je pense qu'un format carré peut vraiment être sympa. Donc ouais, on n'est pas à l'abri de rogner le dessin à la fin. Donc je pense que celui-là va être fond blanc. Ça va être simple, ça va pas être aussi long que mes lives de ces derniers jours qui étaient quand même très longs. Enfin, très long, c'est relatif, mais qui était quand même long. Voilà. Hop. Là, il y aura une limite, et ici, ce sera du vert. Hop, je fais un petit contour. Là, vous voyez pas trop, mais je fais un petit contour quand même. Hop. Ah, il me gêne les pétales en fait, hein. Fausse bonne idée. C'est mieux si je remets le dessin devant. Ouais. Et la petite bougie que j'ai mis là, elle sent trop bon. C'est une Yankee Candle Sunday Brunch, la collection Sunday Brunch. Et c'est pêche grillée et vanille. C'est pas un truc de fou. Je sais pas si vous voyez là. Je kiffe. Ça sent trop bon. Cas, ça fait plaisir de te voir, Nick Rose. J'ai toujours peur d'être toute seule sur mes lives. C'est vrai que quand on est tout seul, on discute pas trop, quoi. Ah, toi aussi, ta femme adore les Yankee Candle. Oh là là, on est mal, on est mal. Moi, j'adore ça, franchement. J'adore les bougies en général, mais j'avoue que les Yankee Candle, elles sont quand même. Elles sentent bien, quoi. Elles sentent fort et elles durent longtemps. Donc. Et elles sont pas si chères que ça par rapport à d'autres marques, franchement. Je trouve que ça va. Je suis trop addict aux bougies. En fait, c'est mon.
Ce que je dis tout le temps, mon seul plaisir vraiment là de, pas de confinement, mais voilà, de pandémie, on sort pas trop, tout. Les seuls trucs que je me suis acheté, c'est des bougies et du thé. Et des pins. Mais encore, j'en ai pas trop acheté. J'ai dû en acheter 3 ou 4 cette année. Parce que je collectionne les pins. Mais ouais, j'avoue, les Yankee Candle. C'est vrai que les streams tout seul, c'est pas le plus marrant. Après, c'est vrai que ça dépend si tu pars du principe que tu fais ton jeu, enfin que t'es sur ta game tranquille, que bah les gens ils viennent ou viennent pas. Mais c'est vrai que du coup, quand t'arrives, bonjour, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça, et que personne, c'est un peu chelou. Mais voilà, moi c'est ce que je me dis. Dans tous les cas, je fais mon dessin et ça me fait plaisir quand les gens passent. Puis comme ça, quand les gens passent, bah, je discute. Là, vous êtes là, donc je discute. Mais sinon, ça pourrait très bien être un stream complet silencieux. C'est pas très grave. Ça arrive. Oh, qu'est-ce que je fais là? Voilà, elle, pareil, elle a la petite délimitation, mais je l'ai moins bien gérée. Voilà. Ouais, bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je renforce un petit peu. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Hop. Je veux pas faire trop de surface complète. Je veux surtout faire dans le détail de la plume. Donc ouais, faire attention à ça aujourd'hui. Et couche après couche, ça va nous donner un truc plus sympa, je pense. Un petit coup de thé. En fait, mes pétales, hein, on dirait des feuilles de thé. Au final, on dirait pas du tout des pétales. C'est des renoncules. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme fleur. C'est des renoncules, donc bah sombres, enfin noires, prunes, quoi. Et du coup, ça fait pas trop pétale de rose, quoi. C'est moins joli, quoi. Mais bon. Est-ce que je veux rajouter un peu là? Ouais, un tout petit peu quand même sur le. Un tout petit peu d'ombrage sur le bec. D'ailleurs, attendez, le bec, j'ai fait n'importe quoi. Le bec, il a une petite forme là, voilà, pointue. Je l'ai faite ici et je ne l'ai pas faite ici. Il a une toute petite forme pointue, voilà. C'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux, mais on comprend pas trop sinon. Voilà. Et du coup, j'ai un petit peu d'ombrage sur le bec. C'est même pas de l'ombrage, c'est que c'est le bec au bout, il est un peu noir, un peu sombre. Donc je fais un petit peu d'ombrage là. Et je vais en faire un petit trait comme ça qui suggérera le reflet. J'espère que ça sera joli. Et ici, je vais le faire sur son bec à elle. Faut attention, pas trop mélanger les deux. Voilà. Ça devrait le faire. Et aussi la petite zone là. Là, c'est un petit peu trop sombre. Et le petit début de. Pas de bouche, quoi, si on peut dire. J'aime bien. En fait, quand je fais des animaux, j'aime bien leur donner. Une expression un petit peu sourire. Souvent, je fais sourire les animaux que je dessine. Alors certains diront niais, d'autres apprécieront. Voilà. Je renforce un tout petit peu aussi encore les yeux, mais on passera les yeux. On les fera d'un noir presque un noir violet, quoi. Ça sera pas mal. Voilà, écoutez, je renforce un tout petit peu ici. Voilà. Pareil là. Aussi la jonction des deux. Voilà. La jonction du bec. Et je voulais faire toute la partie là aussi. Je suggère juste. Et en fait, toute la partie ici, on va dire que c'est une ombre en fait. Parce que bah, elle est collée à son amoureux, du coup. C'est de l'ombre. Faudra pas que je me foire là parce que si je fais trop un truc. Sombre, le bec va se mélanger au reste, ça va pas être joli, donc faut que je fasse très attention.
comment je vais gérer ça. Voilà. Du coup, là, ce qui est sûr, pour ma part, c'est que je vais remplir le... ce qu'on pourrait appeler un cœur, hein, donc c'est toute cette partie-là, de rouge-rose, on va dire. Par contre, encore une fois, je n'ai pas déterminé la couleur autour. Normalement, c'est ce vert-là que vous voyez sur la plume, sur mon écran, là, enfin, sur l'écran de dessin. Mais voilà, je suis ouverte au changement si éventuellement... Hey, salut Nutos! Comment vas-tu? Du coup, voilà, si vous avez envie de suggérer une couleur pour ici, sachant que je valide après ou pas, mais voilà, il faut que ça aille avec ici qui sera rouge-rose. On va dire que ça va être un espèce de magenta. Et voilà, du coup, si vous avez envie de proposer des couleurs, vous me dites. Et puis, on voit ça. Ça va bien, ouais, ça va. Bah, écoute, aujourd'hui, un peu comme Nick Rose, j'avais 12 000 trucs à faire. J'ai rien fait. J'avais du ménage à faire, j'avais du rangement à faire et j'ai rien fait. Donc voilà, chill, le dimanche tranquille. Je me suis dit, on va se faire un petit live, mais je pense qu'il sera pas trop trop long parce que mes autres lives, ils étaient un petit peu longs là. Jeudi et vendredi, c'était 3h30, c'est un petit peu long. C'est déjà beau ce que tu fais sans coloration, merci beaucoup. Bah, on fait les bases de la coloration en fait, on fait la couche, la sous-couche, on va dire, de la coloration, là où ce sera plus ombré, ombragé, enfin, je sais pas comment dire, ombré. Pour préparer ce qu'il y aura par-dessus. Donc ce sera pas bleu, ce sera rouge, mais ça permet de renforcer les contrastes et tout ça. Donc ça permet aussi de mieux voir, de mieux se rendre compte en fait de ce qu'on veut faire. Et je vais juste en ajouter un tout petit peu ici, voilà, pour faire une jonction entre les deux, sinon ça fait un peu violent. Et elle, faut que j'arrête de dire elle, hein, on sait pas si c'est une femelle. Lui, elle, celui de droite. Voilà, je pense que du coup je vais faire trois petits poils comme ça, enfin plumes ici, et je vais attaquer la couleur, le magenta rose-rouge. Donc j'attends toujours vos suggestions, si vous n'en avez pas, je reste sur du vert. Classiquement, ce vert-là. Mais toi aussi, droite, j'ai envie de dire elle aussi. Ah là là, Nick Rose, il pense comme moi. Je sais pas, ouais, je sais pas, c'est bizarre, hein. Je sais pas. On va dire elle alors. Ouais. Là, c'est un peu un dégradé en fait ce que je suis en train de faire finalement. J'ai plus de bleu. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ma palette parce que je trouvais que c'était pas joli de la mettre dans le champ. Mais parfois, je pense que je la prendrai pour faire des mélanges et je vous montrerai. Voilà, veillez, mollo. Pas que ce soit trop trop sombre. Là, je délimite un petit peu le contour du cœur en fait. Mais voilà, je pense que c'est assez là. Peut-être, ouais, non, elle un petit peu. Elle. Pour la Saint-Valentin, deux oiseaux qui forment un cœur, c'est beau, Nutos. Ouais, c'est voulu. C'est voulu. D'où la petite ambiance bougie, pétale de renoncule. Et les deux inséparables, les deux perroquets qu'il y a sur ma tasse de thé aussi. Je suis allée au max du kitsch. La totale. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je suis pas sûre. Ouais, un petit peu comme ça. C'est... vraiment histoire de... parce qu'après, il faut quand même que tout ça ait du volume. Hey! Salut Inders, merci pour ton follow. Installe-toi tranquillement. Bah, comme dit, tu peux te faire un thé, un café, tu te poses et on fait des oiseaux de la Saint-Valentin. Des perruches inséparables. Donc, on est tranquille aujourd'hui. On discute, on est posé. On est bien. J'ai emmené... ça va pas le faire les pétales en fait, là, elles sont en train de se coller à mon dessin. Ouais, non, en plus elles sont... vous voyez pas, mais elles sont en train de tacher mon fond là, j'ai mis un fond. Je repasserai. Pour les fleurs, c'était pas l'idée du siècle finalement. Il aurait mieux fallu que j'achète un bouquet de roses. Mais vous savez, les roses de la Saint-Valentin et tout ça, enfin les fleurs qu'on achète chez le fleuriste en fait, souvent elles viennent de loin, elles sont conservées, enfin bon bref.
C'est pas super écologique les roses, hein. Je parle pour les roses. Du coup, c'est pour ça que j'évite d'acheter des roses. Voilà. Puis, enfin, de toute façon, je ne m'en voyais pas m'en acheter moi-même. J'aurais pu, mais j'avais pas envie. Voilà. Je vais passer au rouge, du coup. Ça fait 1 heure que je dis que je le fais. J'y vais, cette fois. Nick Rose va se faire un chocolat chaud, rebelle. Trop bien. Ah, j'ai pas mis chocolat, mais oui. Mais attends, mais c'est nul. Je changerai le message. Parce que c'est vrai qu'un thé ou un café, c'est hyper élitiste, en fait. Parce que moi, j'adore les chocolats. Exactement, Nuto. C'est mieux de prendre des fleurs locales, ouais. C'est vrai que... Bah, des fleurs de saison, ouais, des fleurs locales. C'est vrai que, bah... Les roses, on... enfin, je sais pas d'où elles viennent, mais voilà, en général, elles viennent pas en bas de chez vous, les roses, quoi. Que vous achetez chez le fleuriste, chez Interflora, tout ça. Malheureusement. Allez, on y va sur du magenta. J'ai nettoyé mon pinceau, là. Et alors, par contre, ma palette, je vous montre, elle est super cracra. Donc, ce que je fais, c'est que je vais. J'allais dire, je vais la mouiller, je vais la nettoyer. Mais oui, je vais la mouiller avec un autre pinceau. Je vais la nettoyer rapidos pour me faire une petite place. Je vous montre. Je peux pas. En fait, j'ai un. C'est limité mes mouvements avec mon setup là de bougies et tout. Je nettoie ma palette. Inders, wow, en plus à l'aquarelle, perso, j'arrive pas du tout à maîtriser cette matière. C'est vrai que bah, tout part de l'eau, donc c'est pas toujours facile à maîtriser, mais en fait, t'as des techniques qui te permettent d'y aller un peu crescendo, si on peut dire, d'y aller petit à petit, et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je fais souvent d'ailleurs, j'ai posé une couche là de bleu, comme tu peux le voir, donc c'est de l'aquarelle, hein. C'est un bleu que j'ai fait très très dilué avec de l'eau et ça me permet juste de faire un bleu de soutien et de comment dire, de mettre l'accent sur les zones qui seront un peu plus sombres. Hey, coucou Milibu, trop cool, bon matin. Eh oui, chez nous il est l'heure de goûter. Bon matin à toi. Du coup voilà, donc j'ai fait le bleu et voilà, et petit à petit je vais mettre mes couleurs et j'y vais pas avec trop d'eau. Donc peut-être si tu veux essayer Inders, tu peux tenter en fait de faire comme ça, de faire graduellement en fait petit à petit, sans y aller avec trop d'eau, parce que c'est vrai que l'eau, ça peut faire peur quoi. C'est un côté un peu volatile, enfin pas volatile, c'est pas le mot, mais ça se mélange vite, les pigments partent vite dans tous les sens. Et du coup, de t'en servir un peu plus comme comme une matière un tout petit peu plus transparente, un peu moins mouillée, et de finalement d'ajouter couche après couche, ça peut aider. Peut-être que tu peux essayer. Et tu dis, rien de mieux que les roses en plastique, pas d'insectes. Ah, et je sais pas si vous avez vu, mais il y a des roses qui ont été sorties par Lego, que tu construis. C'est des roses en Lego que tu montes. Et genre, bah, du coup, tu les gardes chez toi, tu les gardes sur ton bureau. C'est du plastique, certes, mais tu les gardes, quoi. Moi, j'ai trouvé ça pas bête. Après, c'est vrai qu'à nettoyer, ça doit être un enfer niveau poussière, je pense. Alors, Nicros, tu dis, ma femme prend que des plantes en plastique. Elle dit que sinon, elle les fait crever. Ouais, si elle n'a pas la main verte, c'est pas plus mal. Hein. Franchement, moi, j'ai eu... ça fait seulement 1 an que j'arrive à m'en sortir avec des plantes, en fait. Je pense que le premier confinement m'a aidé en fait, à prendre soin de mes plantes. Mais avant, je les tuais un peu toutes. Ouais, j'avais dû... Non, j'exagère, pas toutes. Mais là, j'ai pas mal de plantes chez moi. Là, vous voyez pas trop. Si, vous voyez, derrière moi, sur la table, il y a des petites plantes et j'en ai un peu partout autour de moi. Et j'avoue que je commence à m'y faire et je commence à y arriver. Mais ça m'aura pris un petit peu de temps. Donc, je prends un papier pour tester ma couleur. J'ai choisi donc un. Je vous montre un rose. Un magenta. Mélange rose-rouge, quoi. Va être bien pour le, je pense, pour l'ambiance qu'on veut donner. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais rester sur ça. Et du coup, là par contre, faut que je fasse attention. Coucou Nem, Némésis. Coucou Freddy. Ah, mais il y a du monde ici. Ah oui, alors attends, Inders, j'ai des pinceaux qui distribuent de l'eau et j'ai des crayons aquarelles là-bas. Nickel. Bah, c'est bien aussi. Justement, c'est bien, ça te permet de pas mettre trop d'eau et de juste poser la bonne quantité d'eau sur ton crayon.
et d'étaler tranquillement la couleur et de pas et en plus tu sais quelle couleur t'as mis, donc ça te permet, les crayons aquarellables te permettent aussi de faire des super dégradés, ce qui n'est pas toujours facile à faire avec de l'aquarelle classique, parce que parfois passer d'une couleur à l'autre voilà, c'est pas toujours évident. Comment ça va, Freddy? Est-ce que tu as une autre bonne recette à nous partager? J'ai faim en plus là, du coup, ça y est. Je vais remettre ma palette dans le bon sens. Pardon. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Hop. Je vais commencer par le plus clair. Ce sera. Alors c'est très pâle, c'est normal. Je commence par là. Et là, par contre, je laisse pas trop de blanc. Je pense que le blanc, je viendrai l'ajouter à la fin au. Je voulais pousser évidemment. Je voulais vous montrer. Au stylo, j'ai un petit stylo comme ça, Faber-Castell, blanc. Je viendrai ajouter des petits poils, enfin des petites plumes à la fin. Mais là, je veux quelque chose d'assez transparent qui me sert de sous-couche pour le rouge, enfin le magenta plus foncé qui viendra par-dessus être la vraie couleur, quoi. Inders, tu dis en vrai l'aquarelle sous toutes ses formes possibles, mais j'ai du mal. Ça gâche souvent le dessin. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça m'arrivait souvent bah, au début en fait. Tu fais un dessin, t'es content de ton dessin. Tu dis, il est bien là. Je vais mettre en couleur et ça flingue tout. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à lâcher le. Enfin, à me décompresser là-dessus, c'est de faire un. Hé hey, Ghost, merci pour ton follow. Je te conseille de faire un croquis vraiment rapide. C'est ce que j'ai fait pour les perruches d'aujourd'hui. J'ai fait un croquis vraiment en 5 minutes. Et en fait, du coup, tu te mets pas trop de pression. Alors attends, je lis le message. Donc Ghost, tu passes un coup de vent entre deux patients. Oh, c'est trop gentil. Bonne Saint-Valentin à toi, NM. Merci beaucoup. C'est trop chou. Et Nutos, sans parler de dessin, je te dis GG, t'es en bonne voie pour l'affiliation. Ah, merci. Bah, j'ai pas regardé. Oui, ça, c'est en bonne voie, ouais. C'est cool. C'est cool. Bonne Saint-Valentin à toi, ta douce Ghost. Et oui, cœur avec les doigts. Trop mignon. Donc ouais, je te disais, Inders, tu fais un croquis rapide et tu t'entraînes en fait à l'aquarelle plutôt que de faire un dessin sur lequel tu auras passé beaucoup de temps. Genre, dessin, t'as pris 1 heure et tu vas venir le flinguer. Enfin, t'auras peur de le flinguer en fait. Du coup, tu pars d'un croquis et puis go quoi. Pas de pression. Et puis si tu rates, bah, tu te dis, bah, t'as pas perdu tout ton dessin. Enfin, t'as pas perdu trop de temps en fait. Ça va. Cœur avec les pieds. J'aimerais bien voir ça en vrai. Ça va vite venir l'affiliate. En même temps, contenu de qualité, affiliation rapide. Oh, c'est super gentil ce que tu dis. Très joli dessin à ce stade-là. Bah là, on est tout tout début. Hein. C'est tout fade, c'est tout flou, c'est tout pastel. Mais ça sera pas le cas. Hein. Au final, ça sera. J'ai envie de mettre des couleurs vives. Et je relance mon. En dernier appel, si quelqu'un veut choisir la couleur des perruches qui normalement. Et de cette couleur-là, de la plume que je tiens en main, donc vert, un vert. Vous voyez, regardez ces reflets de malade. Regardez ces reflets. Ça, c'est une plume que j'ai trouvée en bas de chez nous. Il y a plein de perruches. Donc, si vous avez des suggestions pour les perruches, c'est ouvert. Je peux les prendre. Freddy, sympa le cœur. Exactement. Vous êtes trop gentil. Je sais pas. En tout cas, tous mes lives précédents se sont bien passés et j'ai pu rencontrer aussi des gens cool qui sont intéressés par tout ce qui est dessin et création, et c'est vraiment chouette. Alors, Inders, oui, mais disons que les foils spéciales aquarelles ont. Ah oui, ont un coût, ouais, c'est clair, si je fais un truc raté. Après, ce que tu peux faire, c'est commencer par des petits dessins. C'est-à-dire que tu prends ta feuille A4, par exemple, et tu la découpes en 4 et tu fais un petit truc. Genre une rose, une tête d'animal, quelque chose, un truc. Voilà, tu vas pas trop gros, comme ça tu te redonnes confiance en fait. C'est comme ça que ça va le faire, faut se redonner confiance. Mais c'est vrai qu'avec l'aquarelle, je suis d'accord, on a peur de se louper. Ghost, je t'enverrai un dessin de perruche pour moi, ça ressemblera pas à ça. Est-ce que ça ressemble à la petite perruche de François Damiens quand il fait des tatouages? Coucou petite perruche! Nuto, c'est un bleu turquoise, ça peut être sympa. Ah, j'espérais trop que quelqu'un le propose. J'avoue que j'ai un peu envie d'un bleu turquoise. En fait, j'aimerais bien un vert et un bleu turquoise.
Tu vois, un truc qui se mélange. Perruche rose. Perruche rose, ça serait joli, mais le problème, c'est que comme ici, je vais être déjà dans du magenta, j'ai peur que du coup, le plumage, il soit un petit peu fade, il paraisse un peu fade. J'aimerais bien trouver quelque chose qui se démarque, tu vois. Hé, coucou Génaïque! Merci de passer. Ça ressemblera à des perruches gigognes mélangées à des crapauds de Tchernobyl. Oh, la violence! Le dessin, c'est pour le live ou c'est pour une commande? Non, le dessin, c'est pour le live. C'est un live de la Saint-Valentin. Donc c'est un dessin que je fais, voilà, que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Mais non, c'est pas une commande. Après, si quelqu'un le veut, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais pour l'instant, c'est pas une commande. C'est moi. J'avoue, vert et turquoise, Nutos, ouais. Je pense que ouais, on va faire ça. Hein. Bon, ouais, je parle beaucoup, j'avance pas trop, comme d'hab. Je pense qu'on va faire ça, on va se faire un petit dégradé. Ouais, on va faire un petit dégradé. Je pense que ça va partir sur du vert et après ça va aller sur du bleu. Allez, on lance les enchères. Les enchères sur quoi? Sur les couleurs ou sur le dessin? Gosse, bon, j'y retourne, bon live à toi, cœur sur vous. Oui, regarde, cœur, cœur, cœur. Oh, c'est moche. Le orange peut être une bonne transition entre le vert et le magenta. Ouais, c'est vrai. L'affiliation, alors même tu dis l'affiliation, ça m'a pris un an, ça va lui prendre 2 semaines. Je sais pas où j'en, je sais pas. Ouais, bah bon courage, Ghost. Merci d'être passé, c'est trop chou. C'est chouette. Décidément, la communauté Opus est là, quoi. Vous êtes présents. Bon, on y va un petit peu plus vite là parce que c'est pas facile hein, de lire son chat et tout. C'est vrai que c'est pas un métier, mais si, c'est un métier quoi. Enfin, c'est faut prendre le pli. Même pas 2 semaines. Je sais pas. J'ai commencé mercredi. Je sais pas quand est-ce que qu'on sait. J'ai pas tout compris sur les trucs d'affiliation. Bonne Saint-Valentin, mon chou, de la part de Génaïque pour Némésis. Alors, il y a un truc que vous me cachez, les gars. Ok, je me sens un peu exclue, mais pas de souci. Ok. Donnez-vous du love, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Coucou, mon réglisse d'amour. Ah ouais, on en est d'accord. Il m'a jamais appelé comme ça, hein, alors que mon bonbon préféré, c'est le réglisse. D'accord. Ah, je suis en train de faire une bêtise là, faut pas que j'aille là. J'avais dit que non, j'avais dit qu'ici, ce serait. La jonction entre les deux, donc non. Bon. Et là, je vais aller un petit peu plus pâle et je vais remplir complètement toute la partie basse qui sera un peu plus claire. Voilà. Ici, en fait, j'ai pas rempli entièrement parce que je veux garder des zones de blanc pour le côté brillance. Il te faut un certain nombre d'heures, oui, c'est ça, mais je ne me souviens plus combien. 50 followers, ça j'ai retenu. Et 3 viewers en moyenne. Ah bah, j'ai les mêmes pinceaux que toi. En fait, j'avais pas fait attention. Inders. Ah bah, c'est. Bah voilà, tu les aimes bien. Enfin, après, il y en a plein qui se ressemblent. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est pas les mêmes marques, mais à chaque fois, c'est un truc transparent en plastoc. Il y a écrit push dessus. Et en vrai, j'appuie jamais. Ils te disent push. Mais en vrai, moi, quand je m'en sers. L'eau, elle vient toute seule. Si vraiment j'ai envie de mettre un grand coup d'eau, j'y vais, mais j'appuie jamais. Jamais, jamais, jamais. Je sais pas si toi t'appuies, mais moi, les miens, ils ont pas besoin. En fait, ça se distribue tout seul. Donc, oui, j'ai acheté ça à Cultura. Ouais, moi aussi, je crois que je les ai achetés à Cultura. Très joli setting, en tout cas. Le mix des overlays et de la déco IRL est vraiment cool. Merci, Jenaïque. J'ai ton fait toute seule. En fait, le setup, enfin ce qu'il y a en dessous là, je l'ai fait juste pour aujourd'hui, pour faire Saint-Valentin. Mais les autres jours, c'est différent. Mon thé, il est en train de devenir froid. Est-ce que je l'ai branché ça? Oh non, je l'ai pas branché. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que ça là, le petit cookie là, c'est pour réchauffer la tasse. En fait, il y a un bouton, un vrai truc de geek. Il y a un bouton là, vous appuyez et ça maintient la tasse au chaud. C'est pas un truc de fou. Et en fait, ça s'alimente en USB. Je vais voir si je peux le brancher. Je sais pas pourquoi il est pas branché. Je croyais qu'il l'était. Peut-être que si je le branche, je vais avoir trop de. Oh, et là, elle fout le feu. Elle fout le feu. Hop.
C'est où qu'on achète ça? Trop bien. Je crois que je l'avais commandé sur un site. Attendez, je branche. Je le branche. Voilà, je l'ai branché. Je crois que je l'avais commandé sur un... C'était pas Amazon, mais je crois que je l'avais commandé sur un site de geekerie. Et je crois... Je vais chercher. Ah! Ah, je vois bien. Merci. J'ai un assistant qui me réchauffe mon thé. Non, je rigole. Ouais, c'est trop bien. Je chercherai, mais après, tu peux taper. Dessus, il y a écrit. Alors, trop bizarre. Dessus, il y a écrit mustard, comme la moutarde. Et je sais pas. Attendez, je vais regarder la marque. Hot cookie, USB, machin. Mustard, ouais. C'est mustard, la marque. Mais le site, je crois que c'était Bird on the Wire ou peut-être l'avant-gardiste. Je sais pas. Regardez, vous tapez cookie, eating, hot cookie, USB, power, machin. Vous allez trouver, je pense. J'ai acheté il y a quelques années déjà, donc oula, ma barrette, n'a rien à faire là. Donc ouais, trouver. Ah bah voilà, et c'est trop bien ça te. Bah, moi, je fais partie des gens qui se font chauffer un thé et qui oublient qu'ils ont un thé en cours quoi. Et du coup, j'ai tout le temps une tasse froide. Donc là, tu le poses, ça te. Alors ça ne chauffe pas de fou, ça met juste, ça te maintient ta tasse un peu chaude quoi. Donc tu te retrouves pas avec le café glacé ou le thé glacé quoi. Donc pour ça, j'avoue que c'est plutôt sympa. J'ai un petit creux là, j'ai envie de manger les dinosaures. Ça va être trop compliqué de garder beaucoup de zones de blanc. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais mettre du crayon, enfin du feutre blanc pour faire mes petits reflets à la fin en fait, parce que sinon je pense que je vais galérer. En fait, c'est ça qui est pas compliqué, mais dans l'aquarelle, c'est que comme c'est graduel, il faut anticiper et il faut penser à plus tard ce qu'on va faire plus tard. Donc laisser les zones de blanc, laisser. Merci. T'as vu ma tasse, elle est sortie. Oh, des clapiotes, ça veut dire quoi? Oh, attends, mais là, regarde, si je les mets sur mon décor, ça fait vraiment Saint-Valentin, chocolat, bougie. Oh, il manque plus que Barry White. J'ai pas le droit parce que c'est de la musique pas libre de droit, Ça mais. va fondre Non! avec C'est des Maltesers. Parfait. Ah non, mais parfait. Et on peut rajouter un peu? Je vois que ton verre, il est plus rempli que le mien. Je plaisantais. Reprends-le, reprends-le. C'est bon, c'est bon. Sauf que si je fais ça, à un moment, je vais avec ma main, je vais. Ouais. Écoutez, regardez. Non, vous le voyez pas si je le mets en haut. Je le mets là. Ce setup évolutif est incroyable. Voilà, donc je l'ai allumé ou pas le cookie là? Ouais, je l'ai allumé. Cool. Donc ouais, je vous conseille le cookie. Il me faut ça au taf, vu le nombre de fois où je finis par boire mon café froid. Ouais, Nutos, mais trop. C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Enfin, après, c'est gadget, hein, on va pas se cacher que c'est un truc de flemmasse intersidéral, mais. Nick Rose, quel matin sudé. Oui, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Bon, allez, on y va, là. Je glande, je glande. Allez. Là, j'y vais. Cette fois, j'y vais avec du. Vraiment. Avec quelque chose de plus foncé, quoi. Et je vais commencer à faire ça, mais à un moment, je m'arrêterai pour faire mes yeux. Les deux yeux, je vais les faire au. Je vais les faire au Staedtler et. Enfin, l'encre, quoi. Parce que je veux vraiment que ce soit noir. Noir bien profond, quoi, en fait. Un joli noir. Pour que ça on les voit bien, quoi. Tout simplement. Ça sèche en combien de temps? Bah, là, je travaille avec une couche très très fine et avec pas beaucoup d'eau. Donc ça sèche vraiment genre 2 minutes. Mais par contre, si tu fais de l'aquarelle en mode des paysages ou bah, ce que j'ai fait sur mon live de hier, non pas hier, pardon, vendredi, là, ça peut être plus 10-15 minutes en moyenne. Et encore, j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être plus 10 minutes. Ça dépend de ce que tu mets comme eau, ça dépend de ton papier. Si t'as un papier qui absorbe en fait l'eau ou pas, voilà, ça dépend de tous ces critères-là. Mais
Mais ouais, globalement, moi, j'ai pas trop de problèmes de temps de séchage puisque. Ah, j'ai fait une bêtise. Puisque je travaille là avec peu d'eau. Donc au final, c'est quasiment déjà. Là, c'est déjà sec. Ce que je viens de faire, c'est. Je peux mettre le doigt dessus, c'est sec. Et en fait, comme je fais couche après couche, bah, si jamais j'ai une zone qui est un petit peu humide, j'attends, je passe à côté et je reviens 2 minutes après, c'est bon. C'est comme ça que je fonctionne. Après, c'est vrai que, voilà, je dis toujours, mais il y a plein de manières de travailler l'aquarelle. Il faut faire ses essais, ses tests. Moi, j'aime bien quand c'est graduel et que ça prend un peu de temps. Parce que là, j'aurais pu très bien en fait faire un aplat complètement direct, très vif, direct. Moi, ce que je veux, c'est avoir cette texture des plumes. Donc, c'est plus précis, c'est plus long. Et je peux pas l'obtenir avec une seule couche. Je suis obligée de le faire. Je suis obligée de le faire graduellement. Donc, voilà. Ça prend plus de temps, il faut un peu de patience, mais après ça c'est un exercice qui se prête bien au live, je trouve, parce que du coup, si j'avais fait de l'aquarelle avec un aplat, j'aurais fini en, enfin c'est très rapide quoi, j'aurais fini en 15 minutes quoi. Donc là, si on veut prendre un peu le temps de le faire, c'est idéal. Ça nous laisse le temps en plus de passer d'un coin à l'autre. Ça me donne envie de t'en retenter l'aquarelle. Bah, franchement, vas-y, hein. Mélibu, elle fait des découpes. Tu peux me la redonner? Elle fait des découpes sur papier. Merci. J'ai répondu aux questions, mais c'est bon. Hop. Là, vous voyez que c'est quand même encore très très transparent, mais on voit quand même, on commence à voir quand même que ça va être des plumes quoi. Et donc c'est ça qui va être sympa. On donne vraiment de la texture là. Mais moi, si tu t'y remets, Mélibu, je veux bien voir ce que tu fais. Je trouve que ça très beau. Que je pense que tu as déjà du matos, tu dois avoir encore du matos pour le faire. Du coup, je me fais un petit Malteser. Désolée pour les bruits. Parce que ce sera une zone d'ombre, donc j'y vais. J'avais dit que je faisais les yeux, mais je vais faire juste un peu la même chose. Hello to Wars for Gaming, Team Maltesers. J'adore ce premier message. Et oui, Team Maltesers. Chocolat pour la Saint-Valentin. Chocolat, perruche amoureuse inséparable, bougie à la pêche et à la vanille. Petit thé, on est bien. Oui, avec plaisir, je te montrerai. J'ai une petite palette et un pinceau réservoir comme toi. Oui, ouais. Ah bah moi, j'ai les mêmes depuis. J'en ai racheté d'autres, mais j'ai les mêmes depuis l'école. Hein. Oh. Je me suis fait un thé là. Je sais pas s'il y a des fans de thé par ici. J'adore parler thé. Hein. Mais j'ai fait un truc, c'est un houlong châtaigne de chez Daman. Il est délicieux. Coucou Rafa, ça va? J'ai vu que monsieur s'occupe bien de toi. Oui, il est trop mignon, il est trop gentil. C'est vraiment l'idéal quoi. Le chéri m'aide à faire mes streams, il m'aide à faire mon, il m'a aidé à faire mon setup et tout, et il m'apporte des Maltesers, il me réchauffe mon thé. Ouais, bon, c'est beaucoup trop foncé là. Là, c'est l'exemple type de quand on a mis trop de pigments et pas assez d'eau.
Comment ça va, vous? Manque plus que le massage. Ah ouais, mais alors le massage. Ouais, le massage pendant que je dessine, non. Après, je suis un peu difficile en massage, mais c'est vrai que lui, il les fait très bien. Moi, j'aime pas les massages. J'aime pas trop aller, genre, en institut et tout pour faire des massages. Je sais que c'est hyper bizarre de dire ça. Mais souvent, en fait, les fois où j'en ai fait. Donc, c'était toujours des femmes déjà, mais les nanas, du coup, elles y allaient, mais tout doucement, quoi. Et en fait, genre, moi, j'ai des nœuds, j'ai des douleurs les cervicales, enfin, le dos et tout. Et j'ai pas envie qu'on me fasse un petit truc comme ça. J'ai envie que ça appuie, quoi. J'ai envie que ça me dénoue les nœuds qu'il y a. Donc, j'avoue que le délire des massages en institut, bah, j'y vais plus, quoi. J'aime plus. Ça me stresse, en fait. Je dis, mais vas-y, mais appuie! Appuie, mais enfin, je sais pas, il te peut te masser les pieds. Ah non, les pieds, c'est pas possible pendant que tu fais ton live. Ah non, les pieds, non, c'est pas possible. Trop chatouilleuse. Beaucoup trop chatouilleuse. Ah non, j'aime pas qu'on me touche les pieds. La relou. Non, par contre, un truc que j'ai adoré, c'est. Je sais pas si vous connaissez, c'est le. Ça va faire un peu blague quand je vais le dire, mais c'est les massages thaïlandais. Le vrai massage thaïlandais, hein, pas les trucs à machin avec finition et tout. Le massage thaïlandais, en fait, c'est. Vous êtes habillé, donc vous avez une espèce de. Comment on dit? Pas un peignoir, mais enfin une espèce de, ouais, de chemise, un pantalon, machin. Et en fait, la personne qui vous masse, elle marche sur vous parfois, en fait. Genre, c'est hyper costaud, ça y va. Genre, elle marche sur vous. Elle te fait un peu comme des prises de. C'est un peu des prises de taekwondo, quoi. Non, j'exagère, mais c'est un peu. Ouais, c'est pas doux, hein. Mais ça fait du bien. Mais de fou au corps, ça délasse. Et moi, j'avoue, j'adore. Massage thaïlandais, c'est le seul qui m'a plu en institut, quoi, si on peut dire. Moi qui pensais que tu étais douce. Ah, mais je suis douce. Mais j'aime pas les trucs doux. J'ai horreur des trucs doux. Tu sais, les papouilles, je pense que c'est Jenny. Les papouilles, là, sur le bras. Vous voyez les trucs, là, comme ça? Je déteste ça. Moi, j'aime bien que ça. Ouais, namissait. Qu'on me gratte, en fait. Je suis un peu comme un chat, j'aime bien qu'on me gratte. J'aime pas qu'on me fasse des papouilles et des trucs là tout doux. J'ai horreur de ça. Ça me stresse. Elle nous parle baston. Oui, si on est habillé, c'est pas un vrai massage thaïlandais. Ouais, voilà, j'étais sûre qu'il y aurait des blagues sur le massage thaï. Mais oui, le vrai massage thaï, moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Bon, là j'ai envie de faire une petite pause, donc enfin pas une pause avec vous, mais une pause de ça. Donc je vais faire les yeux. Si je trouve le stylo, il est là. Je vais faire les yeux. Sauf que, en fait, les perruches, elles ont des espèces de. Ça va faire bizarre dit comme ça, mais un peu comme les dinosaures, c'est-à-dire qu'autour des yeux, il y a une espèce de paupières, enfin c'est pas une paupière mais une espèce de couche qui est en plusieurs petits morceaux et qui elle est claire. Du coup je ne sais pas avec quoi je vais faire ça. Est-ce que je le fais crayon marron peut-être, je ne sais pas. En même temps les oiseaux sont des dinosaures tout à fait nécroses. Ah, je suis contente que quelqu'un le dise. On sent les personnes de qualité sur ce chat. C'est les oiseaux sont des dinosaures et sont enfin, en termes de posture, en termes de plumage et tout ça, il n'y a pas plus proche. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais d'abord faire un petit. Il n'est pas assez taillé. Je vais tailler parce que là, je suis. Vous voyez, hein, encore une fois, je mets mon doigt. C'est petit. Merde, j'ai fait une bêtise. C'est petit, donc il faut que je taille vraiment bien. Parce que c'est ça, oui, c'est ça. Juste un peu moins mortel que Trixie. Bah, ça dépend pour qui, hein. Je pense que la perruche, elle te tue des petits oiseaux, hein. Ça dépend pour qui. J'ai mis plein de saleté. Bon. Là, j'ai pas un crayon noir, j'ai un crayon. Alors, ça se voit pas, mais il est walnut. Donc, ouais, noisette, quoi, je crois. Marron. Ah, vous le voyez pas, pardon. C'est un polychromos. Voilà. Donc, je fais. Après ça, ça ressemblera plus à quelque chose de. Bah, d'un peu plus précis. Donc exactement comme les dinosaures, il y a des petites
Je sais pas comment appeler ça. Des petits. C'est pas une membrane, mais une petite paupière. Hein. Ça ressemble un peu à la matière de leurs pattes finalement. Et donc je fais là le petit tour des yeux et après je viendrai le remplir avec du plus foncé et je viendrai mettre de l'encre. Là il fallait vraiment que mon crayon soit bien 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 taillé parce que sinon ça n'aurait ressemblé à rien. Donc il y a des fans de dinosaures par ici? Comme moi? Ah, Ghost est de retour. Je viens d'avoir une idée. J'adore. J'ai vraiment imaginé l'ampoule qui arrivait là, ping, devant. Voilà, vous voyez un peu. Ouais, vous voyez quand même sur le dessin ce que j'ai fait. Donc les petits. Je vais faire pareil de l'autre côté pour elle, puisqu'on a dit que c'était une Madame Perruche. Donc je lui fais ces petites. Faut trouver un nom à cette chose-là. Faut que j'aille sur. Faudrait que j'aille voir comment ça s'appelle. Les paupières des oiseaux avec les petites. Les petites billes comme ça, là. Ça doit bien avoir un nom, cette chose. On attend l'idée de gosse. Ah, voilà. Pour ton affiliation qui va pas traîner, je le pense, Nem, tu pourrais faire le Revenge du Sub. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, parce qu'en plus, il y a une bougie, c'est dangereux. Il y a du thé, enfin. On est dans la délicatesse, là. Mais. Ou alors, faudrait que je sois sur une autre technique. Mais du crayon de couleur, pas possible, parce que s'il fait tomber mes crayons avec le nerf, je vais être furax. J'en profite que j'ai encore mon crayon pour juste affiner un petit peu mon dessin des becs. Les becs. Ah, donnez pas des idées comme ça. Hein. Il serait capable. Mais là, le problème, c'est que si me casse du matériel, je vais pas être très très contente, quoi. Après, je suis d'accord, je peux éteindre la bougie, je peux enlever le thé. Mais le problème, c'est que vous allez pas supporter 2 secondes parce que je hurle. Je suis pas comme lui, il fait « comme ça. Moi, je hurle quand on m'envoie du nerf. Tu peux faire un. Un quoi? Un arriverai-je à dessiner sous la pression? Ah, d'accord! Là, je vais appeler comme ça le titre du stream, ce sera Arriverai-je à dessiner? Sincèrement, je pense pas. Ou alors, si, je pense que ça va paraître super bizarre. Je pense que si je pourrais le faire si j'avais un casque avec de la musique et que je m'isole et que je me rentre dans un mood, ok, on va me tirer dessus, mais je suis isolée. J'ai pas les bruits. En fait, je pense que c'est le bruit du chargeur et tout qui va me distraire et qui m'empêcherait de dessiner. Je pense. Casse-nem s'il te casse du matos. Non? Je peux pas le casser. Regardez. Ça ressemble à mon dessin un peu, non? Un casque de moto, à la limite. Un truc qui fasse que. Ouais, un casque de moto, franchement, je pense que je peux dessiner avec. Enfin, avec. Je pense que ça me protégera du stress des nerfs. Parce qu'en soi, le nerf ne fait pas si mal. Enfin, ça peut faire mal. Mais en soi, c'est pas horrible. Mais c'est les bruits, quoi. Moi, c'est les bruits. Hello, Kirikou! Allez, j'y retourne. Je viendrai distiller des idées pourries à l'occasion. Ben, n'hésite pas. Je sens que certaines vont être. Accueilli avec. D'ailleurs, il a pas réagi. Il doit pas être sur le. Il doit pas être sur le chat là, mais. Ah si, c'est vrai que ça pourrait. Sympa de voir l'évolution du dessin en tout cas. Merci. Tu pourras voir le résultat si t'as envie quand ce sera fini. Ah, il est là. Il est là. Donc là. Je finis avec juste un peu voilà, le petit bec et je passe au noir de l'œil. Petit sourire évidemment.
Je mettrai pas du crayon partout, hein, c'est juste pour les éléments qui sont bah, solides, donc les yeux et le bec. Donc là, je passe au. Est-ce que je fais direct au stylo ou est-ce que je remets une couche de. Est-ce que je remets une couche d'aquarelle dessus? Je vais commencer avec de l'aquarelle. J'ajouterai du stylo là où je veux vraiment que ce soit opaque. Voilà. C'est même un peu trop foncé encore. Là, il y a trop d'eau. Il y a toujours un truc qui va pas. Inders, je pense essayer un perroquet à l'aquarelle, mais à mon avis, ça va pas être ouf. Me dis pas ça. Bah, tente, hein. Faut tenter. Faut tenter. T'y vas. Tu te fais un petit croquis et. Parce que tu. Inders, tu fais quoi Enfin, c'est quoi le matériel avec lequel tu es le plus à l'aise? C'est du dessin au crayon ou c'est autre chose? C'est une autre technique. Là, je fais juste le bas. Le bas de l'œil sera un peu plus sombre. Je sais même pas si j'aurai besoin finalement du stylo. On verra. Plus manga, feutre alcool, crayon, tablette graphique. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, feutre alcool, ouais, c'est pas mal. Moi j'ai du mal avec ça, tu vois, les feutres alcool. On peut l'acheter où? Le dessin de Hawaï. Ah oui, mais tu es la personne qui m'a écrit. Oui, je vais te répondre, mais là c'est le week-end, donc je pensais répondre demain. Mais j'ai pas de site internet en fait pour vendre mes dessins, donc c'est forcément par mail ou en message privé. Voilà, c'est. Pour acheter un dessin, c'est toujours, ça passe toujours par un message privé ou un mail ou Instagram. Et il faudra me dire oui, j'achète le dessin. Et il me faut une adresse postale donc à laquelle envoyer le dessin pour que tu le reçoives chez toi. Et après, je te donne mon lien PayPal ou virement comme tu préfères. Et puis tu me fais un petit PayPal et moi je t'envoie ton dessin à l'adresse que tu m'as donnée. C'est comme ça que ça marche. J'ai pas de plateforme boutique. Je n'ai pas de boutique en ligne. Il faudrait peut-être que je fasse ça, mais bon, pour l'instant, chaque chose en son temps. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite couche. J'arrive pas à trouver la bonne couleur. Je vais mettre du bleu. Ici. En gardant, bien sûr, l'espèce de reflet là, que j'ai dessiné. Je mets du bleu dans l'œil. Hey, salut Emessa! Comment tu vas? Ok, d'accord. Bah, ouais, j'espère que mes explications sont claires, mais je vais répondre à ton mail si c'est bien toi la personne qui m'a envoyé un mail. Je vais te donner les informations si tu veux acheter le dessin. Après, moi, je te donnerai les informations pour te donner la taille du dessin, etc. Et voilà, pour qu'on valide ça ensemble, si vraiment tu as envie de l'avoir chez toi. Micros lançons déjà les enchères pour les perruches. Merci, Messa, j'adore tes dessins. Bah, merci beaucoup. T'es allé voir d'autres vidéos ou t'es allé voir mon Instagram? Si c'est que tu en as sûrement vu d'autres. Voilà, donc là j'ai fait ce que je voulais en termes de reflets. Et donc finalement je vais quand même utiliser l'encre. Vous verrez que ça sera tout de suite plus sympa. Alors par contre non là c'est. Non, je vais attendre juste une petite minute que ça sèche. Parce que si je mets l'encre, ça va se mélanger au bleu. Et le bleu, je veux le laisser bleu. Donc en attendant, on peut papoter, on peut manger des Maltesers. Déjà sec. Oui, j'ai vu tes vidéos, les vidéos Switch, pardon. Oui, et ben je suis un bébé streameuse, donc tu vois, j'ai commencé mercredi à faire des vidéos de mes aquarelles, et effectivement, il y en a trois. Il y en a trois. Je vous ai envoyé un mail. Ok, merci Kirikou, je regarderai ça ce soir, en fin de journée.
Et puis je te répondrai. Hop. Vous allez voir là que c'est très 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 noir. C'est très foncé, c'est de l'encre. Donc c'est ce qu'on utilise quand on veut vraiment aller au plus foncé. Et ça va me permettre de faire un petit peu le contour de l'œil là en haut. C'est une pointe très fine, donc c'est super. Pour ça, c'est parfait. Et je remplis jusqu'au bleu là. Là, j'essaye de pas faire n'importe quoi. Voilà. Je vais aussi préciser un tout petit peu le reflet là. Je le ferai à l'aquarelle après. J'ai mis du bleu pour avoir un peu de profondeur et de pas avoir la sensation que c'est tout plat en fait, que l'œil il a quand même du volume. Ok, pas de souci, super. Plus qu'un follow pour les 50. Ah oui, déjà, waouh, elle va réussir à être affiliate, pardon, en moins d'une semaine. Kirikou, vous dessinez depuis toute petite, c'est sympa vos dessins. Merci beaucoup, oui, je dessine depuis toute petite. Depuis, après, je pense que tous les enfants dessinent, mais c'est vrai que moi, je dessine depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Et j'ai toujours une maman qui dessine bien et qui prenait des cours de dessin et qui m'emmenait avec elle, en fait, dans ses cours de dessin pour adultes. Et donc, quand j'avais 6 ou 7 ans, je participais à des cours de dessin en atelier avec des adultes. Et je faisais également des cours de, comment ça s'appelle, de poterie, enfin pas de poterie, n'importe quoi, de sculpture. Je faisais des cours de sculpture avec ces adultes. Donc c'était sympa. J'avoue que j'ai un très bon souvenir de tout ça. Contenu de qualité. vous sculptez avec de la pâte polymère? Non, j'ai pas encore fait de la pâte. Enfin, j'ai déjà essayé, mais je suis pas très à l'aise. Non, je sculptais avec de l'argile. Je sais pas si vous connaissez ici l'argile, mais c'est une espèce de terre. Il y a différentes couleurs et on la mouille et on travaille avec différents outils. Où on peut voir les dessins sur Instagram. Mais je crois que tu n'as pas Instagram. Mes dessins sont sur Instagram. Pour le moment, je n'ai pas encore de site. Et mon Instagram, il est en lien dans ma bio ici, là, sur Twitch. J'ai une bio avec mes deux Instagram. Nutos, vu qu'il faut stream 7 jours différents, tu peux pas faire moins d'une semaine sauf youtubeur. Oui, bah oui. Oui, bah oui, non. J'avais oublié les 7 jours. C'est où ton Instagram? Il est en lien dans. Quand tu vas sur mon profil ici, là, sur Twitch, il y a une bio et il est en lien dans la bio. Donc on peut le trouver là. Voilà. Hop. C'est bon. Un peu de bleu que je mélange à du noir. Ooh. Voilà. Et là, je vais juste faire en sorte que les yeux soient un petit peu moins. Le blanc, pardon, mes reflets blancs là soient un petit peu moins grands. Je m'étais laissé de la marge. Voilà, je l'ai réduit un petit peu, c'était trop grand. C'est un petit peu minutieux, hein, mais. Voilà. Là, on est bien. Donc là, au niveau de mes yeux, normalement, je n'y retoucherai plus. C'est-à-dire que voilà, c'est ouf. Non, je pense que j'y retoucherai plus. Sincèrement, là, il me manque un tout petit point. Je peux passer par-dessus l'encre avec mon aquarelle si j'ai envie pour combler des trucs parce que ça ne se. L'encre, elle reste fixe, elle ne se dissout pas avec l'eau. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? 29 messages ont été effacés. Ah. Ah mince. Ouais. On a des problèmes avec le bot, effectivement, au niveau des liens, et je ne sais pas comment régler ça. Désolée, Nicrose. Ouais, j'ai voulu partager le lien. Mince. Je ne sais pas comment on peut faire.
Pourtant, j'étais allée dans mes... Je vais pas le refaire parce que j'ai eu des problèmes. Oui, Kirikou, je vends les dessins. Enfin, pas tous, il y en a qui sont déjà vendus hein, parfois. Mais oui, je vends mes dessins. J'aime bien le hérisson. Merci. On va régler ça. Je vends les dessins qui sont encore disponibles sur Instagram, oui. Alors, on a dit qu'on avait fini. Est-ce qu'on se ferait pas, histoire de varier un peu les plaisirs, le bec? Comme ça, on n'y retouche plus après. On fait comme les vieux. Après, il n'y a plus qu'à... Alors, attendez. Si besoin d'aide, Nemesis, n'hésite pas à me MP. Merci, Nutos. Je pense qu'il sait, mais... Enfin, il sait. Lui, il n'a pas ce problème-là sur sa chaîne. Donc, je pense qu'il doit savoir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de régler ce truc-là avant. Nikros, bêta, testeur, crash test de Twitch. Ouais. Désolé, hein. Désolé pour tes... pour ton ban d'une seconde. Mais j'avoue, quoi, je sais pas trop comment ça marche. Ah, la plume. Donc, le bec. Le bec, il est jaune. Il est jaune assez... Il est jaune-orange, mais assez vif. Moi, je vais le faire assez vif. Donc, bah, j'y vais, tout simplement. Je viendrai après par-dessus ajouter des petites touches de... Oh, et encore, j'allais dire des petites touches d'orange, mais je sais même pas si je le ferai. Écoutez, on verra. Je veux que ça reste bien vif, en fait. Je veux que ça soit des tons bien contrastés. Je peux poser ça, ça sert à rien que je garde ça en main. Le hérisson est encore disponible. Oui, je crois qu'il est disponible, le hérisson. Oui, normalement le hérisson, je ne l'ai pas vendu. L'écureuil, il n'est plus dispo, mais le hérisson, oui. Petit HS, merci de votre pour votre reco de The Mandalorian. J'ai tout binge-watché ce week-end. Ah, cool, j'ai Nike. Donc, t'as kiffé. Et nous, on n'a pas fini en plus, hein. On n'a pas fini. Je pense que je vais peut-être laisser ça en blanc, là, le tout bord, ouais. Je fais ça en blanc pour ajouter un peu de. Un peu de brillance, tout simplement. Non, pas de soucis, Nuto. Je cherche déjà le bot sur ma chaîne, mais comme on a regardé un peu rapidement et que de mon côté, ça fait quelques temps que j'ai plus rien touché, il faut juste qu'on prenne le temps, ouais, de regarder ça tranquillement, mais en cas de besoin, je n'y manquerai pas. Merci, Nutos, du coup. Cas, c'est cool de passer, hein. Merci à vous. Et ici, je vais laisser encore aussi du blanc là. Une zone de blanc, pareil pour la brillance. Hop. La lumière, elle vient par ici, donc je laisse en blanc. Ça, c'est cool. Ça, tout de suite, ça prend vie, je trouve, avec le bec et les yeux. Et après, on va s'éclater au niveau remplissage, et là, ça va être des couleurs vives et tout. Inders, Nutos, SAV Twitch, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, j'avoue, moi, je débarque un peu, quoi. Heureusement que j'ai été aidée parce que je pense que toute seule ça aurait été compliqué. Enfin, ça a peut-être réussi, mais pas rapidement. Finalement, j'ajoutais du orange, comme j'ai dit. J'ai décidé, donc je le fais. Hop, j'ajoute du orange au-dessous du bec. Voilà. Et j'en ajoute un petit peu ici. C'est pour l'ombre. Oh, un petit chat. Oh, un petit chat. Coucou. Tu réponds? Normalement, il répond. Oui, il a répondu. Sais pas si vous l'avez entendu, mais il parle. Oui, mon chat. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Tu viens? T'es gentil. Bah, étant modérateur sur plusieurs chaînes, avoir fait quelques streams et heures perdues, ça doit... Ouais, c'est clair. C'est clair. Un chat sauvage apparu. Il est gentil. Ils sont trop mignons, mes chats. J'en ai deux. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai deux chats.
Voilà. Ça rend bien comme je voulais, c'est cool. Voilà, hop. Sous le bec. Là aussi. Voilà. Il a vu les perruches et la faim. Oh, t'es horrible, générique. Franchement, je pense qu'il aurait trop peur. Les perruches, franchement, c'est grand. Et je pense qu'au-delà de la taille, même un pigeon, il aurait peur, je pense. Enfin, il aurait peur. Non, non, il n'a pas peur des pigeons, mais non, perruche, il aurait peur. Alors, attends, j'ai loupé quoi? Inders Nuto, j'ai jamais vu tes streams, moi. Ah, Nuto, je t'ai déjà dit pourquoi Inders. Alors, pourquoi? On veut savoir. Je vais remplir les yeux. Je vais remplir les. Pardon, les pas les yeux, les paupières là, que j'ai fait tout à l'heure, d'une couleur un tout petit peu beige. Voilà. C'est discret, mais ce n'était pas censé rester blanc. Donc, voilà. Là, on est au top. Là, on a fini avec toutes les parties détaillées, donc bec et yeux. Donc là, c'est bon. J'attaque vraiment. Comme je fais graduellement, on va attaquer la couleur en fait qui est en bas. Enfin, la couleur, la deuxième couleur. On avait dit qu'on partait sur un mélange de bleu et de vert. Enfin, un peu un turquoise vert. Du coup, ce qui me paraît le plus approprié, c'est de commencer par du vert pâle. De commencer par un vert pâle, enfin un vert pâle, pas vraiment pâle, mais un vert qui soit assez transparent. Et après, par-dessus, je vais venir mettre du bleu. Tout simplement. Donc là, j'y vais, là pour le coup, j'y vais en aplat, vous voyez, hein, j'y vais complètement sans faire les traits des plumes, puisque j'en ai déjà fait en dessous, qui permettent, vous voyez, par transparence, de garder cette texture de plumes. Donc ça, c'est normal, j'y vais, et je viendrai en rajouter au fur et à mesure après. Et j'ajouterai les touches de bleu dont on a parlé pour que ça fasse quelque chose de plus turquoise. Et en fait, je garde la zone qui est au bord là, je la garde effectivement. On en avait parlé, je sais plus qui avait suggéré ça. Je crois que c'était Nutos ou je sais plus. Pour mettre un espèce de jaune orangé, effectivement, qui va faire un petit peu la jonction. Ce sera plus du jaune d'ailleurs. Attendez, j'ai loupé des choses. Car j'ai reçu un game capture en décembre, il faut que je prenne le temple, le paramétrage, car j'ai un souci de fréquence avec. Ah mince! Si besoin, n'hésite pas à le MP1, les deux. À vous, c'est la flemme, oui. En vrai, j'ai une HD 60 Pro depuis quelques jours. Ah ouais? Depuis quelques. Ah ouais. Bug. J'aime beaucoup ce vert. Je le trouve super joli. Et là, j'ai pris. Pour ce vert-là, j'ai pris dans ma palette. Sans vraiment mélanger. Hein. Pour une fois, là, je suis sur la couleur telle qu'elle est dans la, enfin, telle qu'elle est dans la palette, quoi. Moi, j'attends un peu avant de prendre une carte de capture. Ouais. Là, vous parlez trop complexe pour moi. J'ai perdu. C'est coloré. Oui, ça sera coloré à la fin. Ça sera très coloré. Là, on y va vraiment. Ça, c'est. Des grands mouvements, quoi. Grands mouvements de pinceau. Et comme j'avais précisé en début de stream, je ne finis pas les corps, je vais m'arrêter ici, comme ça. Sur des traits un petit peu dans le flou, c'est voulu. Voilà, et en fait, je viendrai dessiner après un petit peu plus de plumes. J'ai envie de dire poil à chaque fois, mais de plumes. Par-dessus en un vert ou un bleu, un vert bleu un peu plus foncé. Là, je fais un petit peu d'aller-retour parce que là, pour le coup, comme je suis moins en transparence, je reprends du pigment à chaque fois là pour avoir quelque chose de plus. Vous voyez là, ça commence à être plus contrasté quand même. Ah, ça y est, ça parle. Ça parle matos. Moi, j'ai pris un pack de stream pas trop cher avec micro, webcam, game capture, mais je retiens la proposition. Ah ouais, un pack, ça doit être pas mal parce qu'au moins t'es sûr de tout avoir.
Moi, j'ai un peu récupéré le matos que le chéri n'utilisait pas. J'ai un micro qui m'a donné, sa caméra qui m'a donné, mon téléphone pour ce que vous voyez là pour les dessins, c'est le téléphone. Kirikou, c'est beau. Merci beaucoup, Kirikou. Là, comme je suis sur le bord, en fait, vous voyez, je suis un peu plus foncée et je vais pousser un peu la bougie, hein, ça me gêne. Je dessine un peu voilà, les plumes, vraiment. Vu qu'on est au bord, il faut bien qu'il y ait une différence entre le fond et le sujet. Donc, on y va, quoi. De rien, j'aime bien l'art. Bah ouais, moi aussi, j'aime bien l'art. C'est cool parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui aiment tout ce qui est. Tout ce qui touche à l'art, donc c'est bien de pouvoir en parler. Et tout ce qu'on est en train de faire, enfin, tout ce que j'ai en train de faire là, on fera pareil avec le rouge, hein. Vous inquiétez pas, ça va pas rester tout pâle comme ça, hein. Salut Tetsuo, désolé, j'ai pas pu passer sur ton live hier. J'ai fait une grasse mat de malade, mais moi aussi j'ai pas vu le live. Hey, salut, tu vas bien Tetsuo? J'avais même pas vu qu'il y avait un message. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, t'inquiète, j'ai pas stream au final. Ah, c'est pour ça. Ah, Nuto, je suis sérigraphe, donc l'art, c'est presque mon métier. La chance, mais c'est trop bien. C'est génial. Et tu fais ça. Enfin, t'es sur Paris ou. T'as un atelier, comment ça se passe? Petite nouveauté direct, une nouvelle commande de chat vient d'arriver. Insta. Oh ouais, il y a mon lien. Super modo. Merci. Merci Nem. Trop bien. C'est le lien. Oui, c'est le lien de mes aquarelles. Donc ouais, pour ceux qui ont envie d'aller visiter un petit peu mon Insta et de voir mes dessins, voir ce que je fais, bah c'est sur le lien. Il y a beaucoup de paysages, de petites bestioles jolies, mignonnes. Il y a un petit peu parfois je poste les commandes si quand les clients sont d'accord. Nuto, ça y est, il crâne celui-là. Là, c'est tout en finesse, hein. Je fais un peu de la suggestion. Ouais, voilà. On viendra renforcer tout ça après. Après, vous voyez, ce qui est chouette, c'est que ce qu'on fera à la fin, c'est que voilà, on viendra par-dessus et j'y ajouterai du bleu vers le bas, comme j'avais dit, mais ça, je le fais après. Et ça va être joli, je pense. Faire un petit dégradé. Non, je travaille dans une entreprise qui imprime objets et pas mal de dessins d'enfants. Ah, trop bien pour les écoles. Voir pour les clubs de sport. Ah, c'est génial, je trouve ça hyper intéressant comme métier. Les métiers de l'imprimerie, de l'impression et tout ça, c'est un truc j'aurais bien aimé faire ça. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je trouve ça, enfin, c'est assez technique, quoi, mais j'aime bien. Ça me plaît bien. Ah, c'est cool d'avoir des gens qui ont des profils comme ça, qui font des métiers comme ça. C'est trop chouette. J'aime trop. La sérigraphie, bah, j'ai découvert ça à l'école. Franchement, j'adore. Là, je fais pareil de l'autre côté, hein. Enfin, pareil, je suis un petit peu plus sombre là d'ailleurs, mais dans l'idée, vous avez compris. Des chefs-d'œuvre, Mythos. Bah, effectivement, si tu travailles dans l'impression, c'est artistique. J'ai un diplôme de sérigraphie. Ah, génial. Ah, je savais même pas qu'il y avait un diplôme. Enfin, ouais, je savais pas qu'il y avait un diplôme de sérigraphie. C'est chouette. Hop. Et ça commence à devenir quand même plus pétant, hein, les couleurs. J'ai encore faim. Pardon. Maltesers.
vu qu'il n'y a pas trop de travail dans ce métier, c'est assez chaud de trouver des endroits où ils font passer ce diplôme. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire. Enfin, je ne savais pas du coup pour la sérigraphie, mais pour les métiers de l'impression et tout, c'est pas évident de trouver quoi. C'est comme les gens qui font de la reliure et tout ça, c'est des métiers qui sont pas hyper. C'est pas que c'est pas répandu, mais c'est de moins en moins répandu et on trouve de moins en moins d'endroits où l'apprendre surtout. Alors que pourtant c'est des métiers. Moi j'estime que c'est des métiers indispensables et très techniques. Mais ouais. En fait, ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression que les métiers bah, tout ce qui touche au papier, enfin à l'objet au papier, ça c'est pas que ça disparaît, mais ça baisse beaucoup, quoi. Parce que forcément, bah, les gens, par exemple, les gens ont des liseuses, donc les livres, enfin je dis pas qu'il y en a de moins en moins, mais quand même des gens qui achètent des livres, mais voilà, ça diminue. Le magazine, par exemple, les magazines, ça se vend beaucoup moins qu'avant. Parce que les gens, soit ne lisent plus le magazine, soit achètent une version numérique, enfin. Donc c'est pas évident quoi. Là, je vais essayer d'aller vite là pour remplir toute cette zone là. Et parce que comme il n'y aura pas que cette couche là, je vais essayer de. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire ça sur les deux côtés et après on repasse au rouge comme ça, on passe pas 10 000 ans sur la même zone en fait. Sinon, c'est un peu rébarbatif, ça c'est un peu redondant quoi. Là, dans le sens du poil, hein, hop. Je fais des petites hachures. C'est une manière de remplir. J'avoue que ça doit pas être évident. Oui, les magazines, c'est un peu mort, effectivement. Ouais. Après, un point de vue écologique, est-ce que c'est pas mieux au final? Je ne sais pas. Je suis pas assez calée pour savoir si vraiment est-ce que les centrales de, enfin les bases de données et tout ça pollue pas aussi. Enfin, oui. Je pense que ça dépend des gens. Après. Si tu gardes tes magazines, non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si tu t'achètes un objet finalement pour le jeter, c'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais, du côté écologique. Dans le sens du poil, la reine de la blague. C'était même pas une blague, mais c'était. Voilà. Enfin, j'ai toujours envie de dire les poils, mais c'est les plumes. Mais oui, pas compris, quoi. Je sais pas trop non plus, c'est un gros débat encore, ouais. Je suis d'accord, Tetsuo. Je ne sais pas, voilà, je suis pas assez calée pour dire que je sais. Mais effectivement, on peut. Après, moi, j'ai le point de vue de la personne. Moi, je travaillais pour une agence qui faisait de la mise en. Enfin, je mettais en page des magazines. Et du coup, bah, moi, ça m'a fait un peu de mal de savoir que, entre guillemets, mon métier, bah, il était plus. Enfin, que voilà, qu'on n'en avait plus besoin, quoi. Qu'il y en a de moins en moins besoin, parce que. Les magazines, du coup, ils avaient plus de budget pour bah, prendre quelqu'un pour les mises en page. Donc, ils faisaient faire ça moins cher ailleurs plutôt que de le faire en interne. Enfin, voilà, c'est toute une problématique, mais bon. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup faire de la mise en page. En plus, les deux magazines que je faisais, il y en a un, c'était un magazine photo. Et du coup, bah, enfin, j'adorais, quoi. Je voyais des photos hyper belles. Il fallait que je fasse des belles mises en page. Des belles compos et tout. Enfin, franchement, j'adorais vraiment faire ça, quoi. Ça m'a fait vachement de peine, en fait, de pas de plus pouvoir faire ça, tout simplement. Et là, clairement, il n'y a plus de boulot. Moi, j'étais maquettiste à la base, il n'y a plus de boulot, hein. En maquettiste, ça fait un an que je cherche, je trouve pas. Après, il faut dire que ça fait un an qu'on est en crise et en pandémie. Mais même, le magazine ne va pas bien et voilà. Là, je remplis pour éviter qu'il y ait trop de fois la même impression sur toute la. Je sais pas, non, c'est très mal dit, mais pour rythmer un petit peu le dessin, pas qu'il y ait. Que ce soit systématique, mes rayures, là, mes petites hachures. Il y a des endroits où les plumes vont plus se voir et se refléter, d'autres moins. Donc là, j'essaie de varier et ici, je ferai pareil, mais après, là, on a dit qu'on passait au rouge, enfin, au magenta là. Ouais, normal, je comprends trop bien maquettiste. Ouais, c'est mon métier de base, d'origine. Hein. Mais je fais plus ça depuis, malheureusement, depuis 2014-2015. Enfin, j'ai fait un peu de maquette quand je travaillais en agence, mais. Par contre, pour le moment, ça fait plus poil que plume, je trouve. Ouais. En fait, ce que je ferai à la fin,
Vous avez... Ouais, le problème, c'est que si tu peux, tu peux peut-être regarder sur mon Insta. Quoique, je sais pas si j'ai mis des oiseaux. Ce que je fais à la fin, c'est que je viens dessiner un petit peu des plumes, mais au crayon. Pour en fait. C'est à force de dire poil, exactement, Nicrose. Putain, c'est ça. À force de dire poil. Mais oui, effectivement. Vous verrez, mais je viendrai en fait à la fin au crayon suggérer l'idée de plume. C'est pas très clair dit comme ça. Après, les perruches sont très fluffy, n'ont pas des plumes. À part celles de leurs ailes là, qui sont comme ça, ici c'est au niveau de leur tête et de leur cou, c'est très très fluffy, hein, on dirait presque du poil, c'est très diffus quoi. Moi j'avoue que je suis nostalgique des magazines jeux vidéo. Quand j'étais petit, j'étais abonnée au magazine officiel PlayStation, c'était tellement bien. Oh, j'ai pas connu ça, enfin j'ai pas connu. J'ai sûrement connu, hein, c'est pas une question d'époque, mais je n'achetais pas de magazine de jeux vidéo, j'ai découvert les jeux vidéo assez tard. Ma première console c'était la Nintendo 64, donc. Donc ouais, assez tard. J'ai pas eu de console avant, jamais. Du coup, j'ai jamais eu de PS dans ma vie à moi. Donc ouais, j'ai pas eu de cette culture du magazine jeux vidéo, mais j'imagine que ça devait être vraiment chouette. En effet. Ah ouais, j'ai Nike. Ah ouais, pareil, les abos aux jeux vidéo. Je les relisais jusqu'à la sortie du jeu. Ah ouais, ça devait être fou d'attendre le jeu et de. Ouais, en fait, d'avoir un aperçu quoi du truc. Parce qu'à l'époque, j'imagine, enfin, il n'y avait pas les tous les trucs, les youtubeurs qui font des reviews et des machins. Donc ouais, t'avais que le magazine pour te faire une idée d'un jeu, j'avoue. Ok, je repasse au rouge. Enfin, au rose rouge. Donc là j'y vais, hein. Franco, vous allez voir, ça va être. On va enfin passer à de la couleur plus pétante. Toute la partie là. Je vais essayer de garder. Ah non, là je suis encore trop pâle. Ça me convient pas, voilà. Avec les CD de démo, les jeux gratuits. Ah, les jeux. Ah, si, mais si! Eh bien, si, j'ai dû en avoir un une fois. C'était un jeu sur ordinateur. En fait, c'était des extraits de jeux ou des petits jeux. Ouais, c'était des démos, c'est ça. Et j'avais eu une démo de Lara Croft. Et j'avais eu un jeu. Alors, je me souviens pas ce que c'était. Je crois que c'était un petit garçon avec son chien ou un truc comme ça. Je sais plus. Et peut-être, ouais, peut-être, tu dis, Nicrose, les jeux dans les paquets de céréales. Peut-être que je l'avais eu plutôt dans un paquet de céréales parce que il n'y a pas de raison que mes parents m'aient acheté un magazine de jeux vidéo, en fait. Donc ça devait être ça ou. Ouais. Ah, c'est ça! Art of Darkness, c'est ça. C'est ça, Tetsuo, c'est ça. C'est ce jeu-là. Et en fait, j'avais eu la démo de ce jeu-là, ouais. Ah, je l'ai dans un paquet de céréales aussi, ça m'a traumatisée. Oh là là, c'est fou ça. Ouais, bah ça devait être ça, un paquet de céréales. Je crois qu'à l'époque, je mangeais des Kix. J'achetais des Kix ou des Trio ou des trucs comme ça. Et effectivement, il y avait des jeux. Ou les Nesquik, je sais plus. Ouais, Art of Darkness. Ah, c'est fou que tu t'aies trouvé le titre. C'est génial. Ça devait être traumatisé, quoi. Et ouais, j'en avais eu que deux. J'avais eu celui-là et j'avais eu Lara Croft. Une petite démo, quoi, enfin juste un bout du jeu, quoi. Et du coup, c'était un bout où en fait tu pouvais te balader dans le bureau de son père ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus trop du truc, mais. Et en fait, les jeux vidéo, enfin les jeux ordi ou vidéo, j'y jouais surtout chez mes amis, en fait, parce que moi j'avais pas de console, quoi. Donc. Du coup. Je me rappelle de. Oui, je dis pourquoi je dis Lara Croft de Tomb Raider. Je me rappelle d'une démo de Tomb Raider. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'était peut-être ça. Alors, Inders, par hasard, tu connais l'artiste youtubeuse instagrammeuse, peintre animalier, Cindy Barillet. Non, je crois pas que je connaisse.
Cindy Barillet. Cindy, peut-être. Attends, pourquoi ça me dit quelque chose le nom? Cindy Barillet. Peintre animalier. Peut-être. Je ferais que je... Ça se trouve, je follow, mais. Je sais pas, le nom dit quelque chose, mais en même temps, je vois pas. Parce que les peintres animaliers que je follow sur Insta, c'est plus des noms un peu anglais ou américains, donc. Je sais pas. Pareil, j'avais pas de console, donc j'allais chez les potes, pareil. Maintenant, j'ai des consoles, mais pas de potes, pareil. Ah non, c'est une française. Oui, c'est pour ça que je disais que je suis pas sûre de la follow, parce que son nom dit quelque chose, mais en même temps, je sais que je follow pas des masses de comptes français de dessin, donc. Enfin, si, j'ai quelques illustrateurs, mais c'est pas des youtubeuses et tout ça, donc. Peut-être, je sais pas. Bon, là en fait, je vais y aller comme ça. Ici, ça va être plus rose, 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 rose. Est-ce que j'ai de quoi faire du rose? Ouais, non, c'est pas beau ça, ça me convient pas du tout. Enders, la même, j'ai des consoles mais pas de potes. Ouais. Ah attends, j'ai loupé des trucs là. Elle utilise souvent du pastel sec. Ouh là là, ouais, le genre de truc que j'utilise jamais. Non, ben, je la connais pas, du coup j'irai voir, mais je la connais pas. Dès qu'on sera autorisé, tu reviens faire des parties Mario Kart à la maison quand tu veux, chouchou. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ça nous manque un peu les copains là quand même. Parce que nous, on a déménagé, on a changé de pays il y a plus d'un an, mais du coup on est isolés parce que les frontières sont pas forcément ouvertes. Enfin, on n'a pas le droit de voyager entre la France et la Belgique. Du coup, c'est un peu difficile, ouais. Pas avoir les copains. Mauvais timing. On dirait les couleurs d'une pastèque. Non, vous trouvez pas? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure et demie quand même. Oh là là, je pensais pas prendre aussi longtemps. J'avais dit, ah, je fais un petit live d'une heure et demie. Je vais essayer de finir là dans la demi-heure quand même. Hey, coucou David! Coucou Général Dem. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je sais pas que j'aille trop vite, sinon je vais faire n'importe quoi, mais. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. On te ralentit. J'y vais, bonne soirée. Ah, merci Générique d'être passé. Général Dem, mon Valentin. Ah, mais je crois que c'était Nem, ton Valentin. Faut savoir. Tu t'en vas quand il arrive en plus, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Hop, du rouge vif. Après, l'effet poil, comme on disait, là, il va rester en haut sur les visages et tout, parce que, comme je disais, les perruches, c'est quand même fluffy. C'est juste ici que je pense, rajouter du crayon pour. Attends, j'ai loupé trop de trucs. Coucou Davidou, je suis polyamoureux. Oui, c'est vrai, t'as le droit. Bisous Générique, tranquille, j'ai passé le week-end chez mes parents, il y avait ma soeur avec ma nièce. Ah oui, j'ai vu les vidéos du baby. J'ai vu ça. J'ai vu passer, effectivement. C'est une fille, non? Je me souviens plus. Oui, c'est. Bah, attends, tu viens de dire. Oui, ma nièce, je suis con. C'est une fille, bébé. Et du coup, est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est sage? Est-ce qu'elle crie pas trop?
Non, c'est pas gentil ce que je dis. Je suis grave, moi. C'est une fille, mon garçon. Ouais, bisous, j'ai like. Elle pleure pour manger, mais normal. Elle est bien réglée, mais ensuite ça va. Quelques sourires trop craquants de temps en temps. Ah, les bébés souriants, on aime bien. Quelques sourires craquants. Ouais, si. Non, ça va pas. Je cherche une couleur, mais ce que j'ai là n'est pas génial. Oh, tant pis, j'y vais. Là que je vais venir donner un aspect un petit peu plus plume. Voilà. Comme ça. Donc on est moins dans le poil, on est plus dans la plume là. Je sais pas si vous le voyez. Après, il faut quand même rester fluffy, hein. Désolée, ça devait pas être agréable pour le micro. J'ai pas eu le temps de l'enlever. Maintenant, c'est au tour d'elle. Là, on va essayer de bien faire la distinction entre son bec à lui, son bec à elle.
sur lui aussi. Vous êtes toujours là? Ouais, Nicros toujours là. Là, faut pas que je me plante parce qu'il y a le bec. Je vais d'abord faire un petit tracer un petit trait le long du bec pour pas déborder trop. Voilà. Yes, je joue à la Switch en même temps, c'est pour ça que je parle pas trop. Ah, ça marche. Tu joues à quoi? J'ai envie de jouer aussi. Après. En plus, j'ai un jeu que j'ai commencé il y a un mois, je crois. Ouais, un mois. Et je l'ai laissé là en suspens et du coup, je l'ai jamais fini, quoi. Ouais, mais pareil. J'ai pas trop le chat sous la main, ouais, j'avoue. Animal Crossing, ah, trop bien. Après, je vais lancer Hades. Tu joues à quoi sur Twitch? Bah, moi, j'ai Animal Crossing aussi. J'ai eu Mario Kart. J'ai Luigi's Mansion, j'ai Yoshi, le Paper, là, tout ça. Et j'ai un jeu, enfin j'ai d'autres jeux, mais j'ai un jeu là en ce moment qui s'appelle Rocky, qui est trop bien. C'est sur la mythologie norvégienne un peu, enfin la mythologie, je sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est hyper beau, c'est vraiment hyper beau comme jeu. Et j'ai un autre jeu, mais alors celui-là je crois que je l'ai pas sur Switch, je l'ai sur l'ordi, c'est Spirit of the North. Hades, très très bon. Bah ouais, c'est mon chéri qui joue à Hades. Moi, je sais pas si je serais. Je sais pas. Enfin, en fait, je joue pas forcément beaucoup de jeux comme ça. Je sais pas si je pourrais y jouer. Je sais pas si c'est très difficile ou pas. Enfin, j'ai pas de jeux de ce style-là. Moi, j'ai plus des jeux, comme on dit, casu. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si je pourrais y jouer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hey! Oh, merci pour ton host Arendelle avec Bruminouche qui nous fait son petit pingouin d'abeur. Comment vous allez? J'aime bien les jeux difficiles ou exigeants plutôt. Bah, t'as raison. Moi, j'aime bien dans l'idée, mais je sais pas si j'arriverai en fait. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, je remplis un peu plus. Hop. Par là. Un peu plus de couleurs. Voilà. Ça prend. Là, on a presque fini pour la salle de droite, hein, vous voyez. Et alors, genre Bloodborne, c'est un de mes jeux préférés de tous les. Oh, je le connais pas. Nickel. Et toi? Bah, écoute, ça va. Un peu fatiguée. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Tout va bien. Après, les Soul Skills, j'y arrive pas. Ah, ça a l'air dur quand même. J'aurais pas dû. Ouais. Je corrigerai après. Il faudrait que lui passe par. Je ferai ça au crayon. Pour que lui passe par devant elle, en fait. Parce que là, on comprend pas. On dirait qu'elle est toute droite. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, je corrigerai ça après. C'est pas très grave. De toute façon, on a presque fini avec elle. Faut juste que j'ajoute du bleu, comme on avait dit. Hein. On avait dit dans les suggestions des couleurs que je mettrais un peu de bleu. Ouais, je comprends. Arendelle, plus qu'un follow pour l'affiliation. Oui, pareil. J'ai pas regardé, j'ai pas le truc sous les yeux, mais j'ai enlevé ça, ça me saoule. Ouais, ça allait vite. Après, je crois qu'il faut que je stream encore plusieurs jours. Mais après, est-ce que. Hello Tix! Merci pour ton follow. Donc là, je dessine juste la petite bordure.
En poils, hein, encore. Les petits poils. Tixounet. Oh. Et ben voilà le follow. Ah bah oui, du coup, voilà le follow manquant. Et ouais, trop cool. Merci Tix, tu es mon follow manquant. Non, apparemment, on avait le compte des. Il manquait un follow pour avoir le compte des 50. Est-ce que c'est Nem qui t'a payé pour. Pour venir me follow? Ça fait 50 tout pile. Tix, encore félicitations à vous deux. Merci Tix. Trop cool pour toi. Négatif. Ah. Encore plus sympa alors. Bah voilà, hop, hop, hop. Sais pas ce que finit. Pour elle, ça sera bon. Pourquoi j'avais laissé ça blanc? Je sais pas. Là, il faut que ça sèche de toute façon. Je vais remettre un petit passage sur Monsieur Perruche. Lui, je l'ai fait un peu plus rouge et elle un peu plus rose. C'est un peu niais, mais. Studio, c'est un type. Bon, allez, je me sauve. Mon cher étant démarre son stream à lui. Ah, trop bien. Tu pourras me donner sa chaîne? Bravo pour les 50. Merci. J'ai download War Noob Zone. Bonne fin de stream. Merci à toi. Studio Cyanotype. Jamais s'il faut dire les pseudos ou les prénoms des gens. Merci beaucoup d'être venu. Donc lui, voilà, il est plus dans les tons rouges. Lui, il fait penser à une pastèque hein, quand même. Je vais juste faire, voilà, ici renforcer pour donner ce volume de la joue. Hein. Elle est plus joufflue que lui d'ailleurs. Je me suis peut-être un peu plantée. Ah bon, peu importe, c'est pas très grave. Je souligne la joue. Et je rajoute un petit peu de rouge, enfin de magenta au bord. Ça me rappelle mes deux inséparables que j'avais quand j'étais petit. J'avais une jaune et une verte. Oh! Oh, c'est trop beau la chance. J'aurais trop aimé avoir des oiseaux. Et tu streams du jeu vidéo des fois? Bah, en fait, je me pose la question. Parce que là, du coup, c'est vrai que j'ai fait une chaîne. Bon, elle s'appelle Raph Aquarelle. Mais. Enfin, non, elle s'appelle pas Raph Aquarelle, c'est pas Raph Lavagne. Mais je me demande en fait si je pourrais pas streamer du jeu vidéo. Après, voilà, j'ai pas du tout un bon niveau. Je suis vraiment. Studio, Cyanotype, tu peux dire mon prénom, pas de soucis. Ok, merci. Alors, merci Ninon. Voilà, je sais jamais. J'ai l'impression de gaffer en fait quand je dis le prénom des gens. Je me dis, oh, ça se trouve pas qu'on dit son prénom, mais ça sort tout seul. Donc, merci Ninon d'être passé. Et bah. Je te dis à bientôt et voilà, merci beaucoup. Alors attends, quoi? J'ai un peu arrêté, je suis sur Apex maintenant. Il n'y a pas de niveau à avoir, juste la passion et l'envie. Ouais. Niveau, c'est pas grave, tant que tu prends du plaisir. Ouais, mais en fait, alors oui, je prends du plaisir, j'adore jouer, mais mon chéri pourra confirmer que je suis quelqu'un, quand je joue, d'assez stressé, donc je suis du genre à faire des tronches pas possibles et à faire au secours, machin. Enfin, ça dépend du jeu, bien évidemment, mais voilà, je sais pas si ça sera pas un peu saoulant pour les gens. Je dis ça, j'en sais rien, mais sincèrement, je ne sais pas. Alors là, ce qui est cool, c'est ce que j'avais dit que je ferais tout à l'heure. Je vais venir en fait faire passer ses plumes, enfin son corps à lui, par-dessus elle. Donc pour ça, je vais juste foncer un tout petit peu. Et encore, non, peut-être pas foncer. Alors, si je vais ajouter un petit peu de noir, mais léger, et je viens passer ces plumes par devant pour qu'on comprenne qu'en fait elle est collée à lui, mais qu'elle est derrière. Tout simplement, hop, voilà. Ça pose. Attends, j'ai loupé un message? Ça pose pas de soucis. Arendelle a aucun skill, mais elle joue quand même. Et ça nous fait bien rire. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Moi, je sais que je vais souffrir ce soir vu que j'ai eu la bonne idée d'acheter des Demon's Souls. Ah, ça me dit quelque chose ce jeu. Vilaine. C'est pas sympa, j'avoue, pour Arendelle. Et tu joues à quoi Je crois que j'ai mis la main sur le. Non, c'est bon. Tu joues à quoi, Arendelle, du coup, quand tu streams du jeu? Après, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Après, j'imagine que si je stream du jeu, est-ce qu'il faut commencer le jeu depuis le début ou pas? Parce que là, par exemple, Rocky, là, l'histoire nordique, les contes norvégiens et tout ça, est-ce que enfin, je vais pas le commencer en plein milieu, quoi. Je sais pas. Si les gens connaissent pas l'histoire, ils vont peut-être pas kiffer de.
De prendre le jeu en plein milieu, je sais pas. Mais si t'inquiète, on fera des games. Ah ouais, on pourrait faire quoi du... On pourrait faire du Mario Kart ensemble. Nutos, c'est vrai, j'ai dû m'absenter sans prévenir, pas de soucis. Hein. C'est à ça que ça sert le stream. Contrairement à la vraie vie, on peut se barrer quand on a besoin ou envie, et ça, c'est très cool, je trouve. C'est bien pratique. Bon, on approche quand même de la fin. Comme j'avais dit, je vais rajouter du bleu. Et en fait, la partie blanche ici, elle va pas rester blanche. Hein. Ça va être du jaune. Je vais ajouter du jaune pour faire la jonction entre les deux. Mais ouais, je vais ajouter un peu du bleu ici, en bas, pour faire une espèce de dégradé. Ah, Nuto, si vous faites du MK, je viens. Bah, grave. Je sais pas comment on peut organiser ça. On peut, je crois, jouer avec. Ouais, on peut streamer avec d'autres gens. Alors moi, je vois plein de trucs, mais les derniers en date, c'est Dragon Quest Builder. Ok, je connais pas. Enfin, le nom me dit quelque chose, mais je ne joue pas, je ne connais pas. Ouais, quoi on pourrait jouer à plusieurs. Après, on a découvert le jeu là. Enfin, moi, j'ai découvert le jeu. Comment ça s'appelle? Bah, c'est Davidou qui m'en a parlé. C'est Gartic Fun là, le dessin là. Enfin, je sais pas si c'est Gartic Fun, mais le jeu, non, mais un jeu de dessin. Et on en a regardé une partie, et on a trop rigolé du coup. J'aimerais bien y jouer en fait, faire des parties comme ça en Gartic Fun, oui, ok. Ah, vous aimez bien Mario Kart, cool. Je viendrai faire une partie aussi, Tetsuo, cool. Sinon sur PC, j'ai acheté Phasmophobia si quelqu'un y joue. Alors, j'ai vu plein de gens y jouer. Notamment bah, ici, enfin surtout, j'ai vu plein de gens y jouer. Mais j'ai pas. Et je sais pas si je pourrais y jouer. Parce que les jeux flippants, j'aime bien regarder, mais je sais pas si... voilà. Je sais pas si je serais à l'aise de... Je vais crier tout le temps, quoi. Je sais pas. Autant les films d'horreur et tout. Alors là, il y a un truc qui me gêne dans mon dessin. Ça m'arrive souvent. C'est la joue, là, elle est hyper claire. Et là, je l'ai pas faite claire. Donc, en fait, dans ces cas-là, tout simplement, je vais venir remettre de l'eau. Et je vais, en fait, effacer un petit peu. C'est l'avantage de l'aquarelle. On peut venir un peu... on peut revenir un peu sur ce qu'on a fait, quoi. Là, je reviens sur la joue qui me paraît trop foncée. Comparer à sa joue à elle, et comme on veut quand même qu'il y ait du volume, tout ça, je reviens dessus. On a presque fini, hein. Je dis juste l'histoire du bleu. Après le bleu, je vais faire quelques coups de crayon, un peu de jaune là, et c'est fini. Donc ouais, on va essayer de pas faire encore trop long, enfin, sauf si vous voulez rester là. Mais voilà, j'essaie de pas faire un trop long live parce que c'est fatigant. Hop. Ah, ce serait cool de s'organiser des parties de Mario Kart. Alors, Gartic Fun, j'essaie de motiver le monde sur le Discord de Vénus pour en faire un off. Ah, j'aimerais trop. Alors, j'avoue que je suis pas du tout sur le Discord. Enfin, j'y suis passée une fois, mais voilà, parfois il y a trop de messages, j'ai du mal à suivre. Et comme je suis pas encore bien intégrée là-dessus, voilà, j'ai pas tout suivi, mais j'aimerais trop en tout cas. J'ai fait une partie pour tester hier, c'est cool. Assez stressant, ouais, tu m'étonnes. Après, je kiffe me faire peur. Moi aussi, Tetsuo, je kiffe me faire peur. J'adore me faire des petites frayeurs et tout. Mais encore une fois, quand t'es en live, du coup, t'es filmé et que tu machins, si je crie et que voilà, ça saoule les gens, on va avoir. Mais j'aimerais bien, j'avoue que je suis un peu, comment dire, je suis un peu timide sur les jeux, quoi. J'ai un peu ce complexe de me dire non, mais je vais pas y arriver, je connais pas, machin. Enfin, ouais. C'est un truc qu'il faut dépasser. Faudrait que je me lance. Je découvre un peu aussi. Enfin, je vais pas dire que je découvre l'univers du jeu vidéo, c'est pas vrai, mais je jouais un peu toujours au même jeu et là je découvre un peu que oui, je peux jouer à d'autres jeux que Mario Kart et Animal Crossing, en gros. Du coup, bah ouais, il faut s'y mettre quoi. Est-ce que c'est mouillé? Ouais, c'est encore mouillé. Je voulais ajouter quelques petits traits comme pour ici. N'hésite pas à passer avec Dragon, on essaie de dynamiser le Discord. Ok, bah je vais m'y mettre. Je suis pas assez sur Discord, c'est vrai. On se fait un double live, Phasmo, Tetsuo. Ah, ce serait cool que vous fassiez ça. Je passerai voir. Je l'ai dans mon panier Steam, il va craquer. N'hésite
pas passé. Ouais, voilà, j'ai lu, même si j'ai pas encore commencé à stream, je pense faire pas mal de jeux dehors en live. Ouais, j'aime bien regarder les gens en live. Alors, MK pour le stream, faut s'organiser parce qu'il faudra utiliser mon PC de stream. Ah oui, mais en off avec en plus. Bah pourquoi pas en off? Je le faisais à une époque. D'ailleurs, je le faisais avec des gens que j'avais rencontrés sur Instagram, c'est marrant. Enfin, des gens. Ouais, il y avait deux personnes, je crois. Et ah non, il est sec mon pinceau. Et on se faisait des parties, pas de stream, hein, mais des parties comme ça. C'était super cool. Voilà, j'ai un peu corrigé ce qui ne me plaisait pas. Oh ouais, Gartic Fun, par contre, on est chaud. Grave. J'ai trop envie d'y jouer, j'ai trop envie. C'est trop drôle. C'est le jeu où t'es sûr que tu vas rigoler, quoi. T'es sûr de te marrer. Bon. Ouais, je vais m'arrêter là pour la tête. Ouais, je peux rajouter un petit peu de foncé ici. Voilà. Du coup, on passe au petit bleu. Je suis trop nulle à Gartic, meurt de rire. Mais non, mais c'est ça qui est le plus drôle en fait. C'est que tous les gens n'ont pas les mêmes niveaux et tout, mais que ça donne des trucs à chaque fois, mais trop rigolo quoi. Bleu, bleu, bleu. Quel bleu je prends? Je ne sais pas. Je vais prendre un bleu turquoise, donc il faut que j'y mette un petit peu de vert, mais pas trop. Un petit peu de vert. Ouais, j'ai trouvé. Voilà, le bleu. C'est un bleu, ouais, c'est un bleu vert, un bleu turquoise, j'aime bien. Ça me plaît bien. Je me laisse de la place pour mettre le jaune ici. J'aime bien, les couleurs, elles me plaisent. J'aime bien le fait de ne pas avoir finalement utilisé la même couleur sur les deux oiseaux. Au final, je suis assez contente de ça. Voilà. Du bleu. Je vais en remettre un petit peu. Ah! J'ai mis ma main dessus. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et elle, on va mettre plus de bleu. Ici. Et je garde l'espace là pour ajouter le jaune. Ouais, les couleurs sont sympas. J'aime bien. Ça me plaît bien. Faut savoir que je travaille toujours avec des couleurs assez vives, hein, ceux qui ont vu. Ce que je faisais, c'est toujours un peu des couleurs comme ça. Je fais pas trop dans le morne. Hein. Hop, on dégrade un petit peu par là aussi. Ok, donc là j'attends que ça sèche. Et je fais le jaune en attendant. Le jaune, il faut que je nettoie mon pinceau. J'ai presque plus d'eau. Est-ce que vous voyez? Oui, parce que là, il est en train de faire nuit chez moi. Mais bon, ça a l'air d'aller. Jaune, jaune. Jaune, pas tout à fait jaune d'ailleurs. Ça va être une espèce de. Vous allez voir, orange, jaune. C'est ce qu'on avait dit. Je me souviens plus lequel de vous avait suggéré avait fait cette proposition que j'ai retenue, mais de garder du orange. Mais ça rend super beau. Pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. C'est très. Ça rehausse bien. Et ça fait un petit rappel du bec. Très joli. Mélibus, ça a bien avancé, ils sont beaux. Merci. Jolie couleur, Tetsuo. Merci, merci. Les couleurs, on a décidé ensemble, donc ça, c'est cool.
On approche de la fin. Là, je dégrade le jaune. Je viens le faire se mélanger en fait au vert. Voilà, comme ça. Qui se mixe bien. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et elle, on va dire que. Ah, j'ai moins laissé de la place pour elle en fait. Elle, je vais prendre un autre jaune. Un peu plus pétant. Parce que vu qu'elle est sur d'autres couleurs, il n'y a pas de raison. C'est plus du jaune que du orange hein, de son côté à elle. Et ouais, ça rehausse, ça donne de la vibrance. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis contente de de ce choix de couleur. Ouais. Ouais, si je vais en mettre un tout petit peu ici. J'avais laissé de la place pour. Voilà. Lui, je vais tout petit peu foncer un petit peu plus encore là. Là aussi, voilà, hop. Hop, voilà. Donc, en gros, petite touche. Le bec est pas. C'est pas très ombré. Je vais le faire au crayon parce que. De toute façon, globalement, on a fini. Je veux juste rajouter quelques petites plumes là sur le ventre, mais on a fini. Et du coup, je vais prendre mon crayon noir ou marron noir. Je vais prendre le crayon noir quand même. Si je le trouve. Je le trouve pas. Hop, il y en a un là. Je prends celui-là. Hop. Avec crayon. Hop. Non, toujours pas. J'arrive pas à ouvrir ce taille-crayon correctement. Non. Voilà. Alors, le crayon. On précise un petit peu les. On vient contraster un petit peu les endroits qui sont dans l'ombre. Là, ici, c'est le bec. Tu as une question qui te suit de micros qui demande si tu sais si ça demande beaucoup en débit, montant, face, faux. Je ne pourrais pas répondre. Je vous laisse voir ça. Son petit bec à elle, ouais. Hop, comme ça. J'aime bien, ouais, la petite pointe comme ça en noir là. C'est joli. Ça, je voulais le faire au crayon hein, parce que l'aquarelle, ça n'aurait pas rendu comme je voulais. Donc, c'est normal. Voilà. Voilà. Ils sourient, hein, mes oiseaux, vous voyez? Ça sourit. Un petit bec plus sympa, quelques petits poils fluffy là aussi. Alors là, du coup, j'ai juste ajouté un petit peu de contraste aussi. Autour des yeux, c'est pas forcément nécessaire, mais je vais ajouter un tout petit peu. C'est le jour et la nuit par rapport au début. Ah oui, tu parles du dessin. Hein. Si c'est ça, oui, c'est l'idée. C'est progressif, mais l'idée, c'est de voir l'évolution, justement. Donc là, je vais ajouter ce que j'avais dit que je ferais. J'ai ajouté un peu l'idée de plume, mais légèrement comme ça, au crayon. C'est de la suggestion. Hein. Je sais pas du tout, mais le jeu est plutôt lent. Oui, je parle du dessin. Ah oui. Bah, c'est ça, c'est l'idée. C'est de voir la progression et
Parce que souvent, enfin, par exemple, bah, sur Instagram, quand tu regardes des dessins et tout, bah, tu vois que le résultat, en fait. Ou alors, il y a des gens parfois qui font des time-lapse, mais souvent, tu vois quand même le résultat fini. Et moi, j'aime bien voir les étapes de, bah, de ce qui se passe, de comment. Je vais corriger un truc qui me plaît pas dans mon dessin. Je trouve qu'elle manque un tout petit peu de dos. Lui, il est très cambré, voilà, il fait son mal, mais là, c'est trop droit. En fait, c'est pas qu'elle est pas assez grosse, c'est qu'elle est trop droite. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de, voilà, de courbure ici. C'est à ça que ça sert, de toute façon, corriger ses erreurs, c'est bien pratique. Puis ça donnera un résultat plus doux et plus harmonieux aussi, d'avoir plus de rondeur à ce moment-là. Voilà. Donc, je corrige ça. C'est mieux comme ça. Et voilà. Et là, je redescends. Voilà. On a une courbure qui me plaît plus et qui est plus sympa. Voilà. Voilà. Lui aussi, je corrige juste le bas. Enfin, je corrige. J'ajoute l'idée de plume. Voilà. Et voilà. Donc, c'est bon. Ça, c'est fait. Lewis, tu parles pour jouer au stream. Je ne sais pas, j'ai faim. J'ai tout le temps faim. Là, je suggère un petit peu les ailes. Ici, je l'ai pas fait, je le fais. Voilà. C'est léger, hein. C'est juste un coup de crayon, mais ça change les choses. Voilà, là, je redéfinis. Hop. Ben, on est pas mal. Un petit peu là, comme ça. Ici aussi. Du coup, ce que j'ai corrigé maintenant, ça me convient. Et bah, j'ai fini. Je me rajoute juste quelques petites. Je vais rajouter un peu de bleu en fait sur son ventre à elle et c'est tout. Là, je suggère encore une fois les plumes. Je dis que je le ferai. Tu l'achètes du coup, bah justement, je me demande si je peux le streamer et jouer vu ma connexion. Oh là, ça je sais pas, trop technique. Bleu, 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 bleu. Oh, merci Kirikou, tu pour ton host. C'est déjà 18h. Ouais, c'est. Ouais, de toute façon, là, on a fini. Hein. J'ai fini. En gros, je rajoute une touche de bleu sur le ventre de madame et on a fini. C'est léger, hein, ce que je fais en plus. Et ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là du coup. Je vais juste signer mon dessin. En même temps là, ça descend un petit peu bas. Si je voulais vraiment bien faire les choses, je descendrais un tout petit peu plus bas ce côté-là. Ça arrive à peu près au même niveau, que ce soit plus harmonieux. Voilà, hop. Voilà. Comme ça. Il n'y a pas trop de différence entre les deux scales, je les fais se terminer plus bas. Voilà, on est à peu près sur la même ligne imaginaire. Voilà.
Hop, je signe. Du coup, je pense que je vais peut-être redécouper mon papier pour que le format soit un petit peu plus carré. Du coup, ça change rien. Je vais quand même signer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est signer dans le dessin, discrètement. Donc, je signe en bas à droite, mais dans la perruche. Voilà. Voilà, du coup, j'ai viré la bougie. Nous voilà avec les deux perruches amoureuses. J'avais dit que je ferais peut-être des petits traits au stylo blanc, mais sincèrement, là, j'y vois pas trop le. Avec ça, j'y vois pas trop l'intérêt. Donc, je pense que je vais laisser comme ça, pour le coup. Bon, et je vais le prendre. Peut-être au pire, la fibre arrivera bien un jour. Ah ouais, je te le souhaite. Ok, tu me diras quand tu voudras faire une partie. J'ai prévu le live de demain. Moi, j'arrive à streamer avec moins. La qualité est pas top, mais ça passe. Ah oui, tu peux régler ta qualité après. Trop belles ces petites perruches. Merci, Mélanie. Elles sont mignonnes. On dirait trop une pastèque, celle-là. Elle me fait rire. Je sais pas pourquoi ses yeux me font rire. Il y a un truc. Ah, je sais pourquoi. Ouais, c'est un truc bizarre. Je remets un petit peu de blanc au-dessus. Voilà. Du coup, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de zoom. Enfin, si je pourrais, mais. Parce qu'en fait, j'ai fait un autofocus à ce niveau-là. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre la plume dessus. C'est pas trop mignon. Cette plume est trop belle. J'aime trop. Hop. Voilà. Et ben voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Hop. Hop. Ah, c'est bon pour les enchères. Alors maintenant, bah, c'est pas des enchères, mais. Ah, les enchères, ça pourrait être rigolo de faire ça un jour, cela dit. Mais non, c'est si jamais il y a des intéressés pour certains dessins, oui, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire. La plupart de mes dessins sont en vente, enfin sauf ceux qui sont déjà vendus, bien évidemment. Mais ouais, s'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas. J'aurais mangé tous mes Maltesers. J'ai perdu mon élastique. Mince. Nutos, ben merci à toi pour le stream, c'était sympa, cool, ben je suis contente si ça t'a plu. Merci beaucoup beaucoup d'être passé. C'est trop cool. Oh là là, en plus il y avait du monde, là, dis donc 14 personnes. Je sais pas qui sont ces 14 personnes. En tout cas, ouais, merci à tous ceux qui sont passés et qui sont restés. En plus, finalement, j'avais dit que je faisais un truc court et là on est à 2h20, donc finalement c'était pas si court que ça, mais voilà, c'était le petit stream de la Saint-Valentin. Avec les petites perruches. Inséparables, enfin les perruches amoureuses. Et ouais, sincèrement, je pourrais peaufiner un peu plus et faire un peu plus et tout ça, mais voilà, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc on s'arrête là. Et puis je vous souhaite du coup une bonne soirée, un bon dimanche soir. Faites pas de blues du dimanche soir, hein, ça vaut pas la peine. Une bonne soirée. Et puis moi, je pense que du coup, vous m'avez donné envie d'aller jouer, donc je pense que je vais prendre la Switch peut-être et puis jouer. Voilà, bah merci beaucoup et puis à bientôt, peut-être à demain. Je ne sais pas encore si je stream demain après-midi. En tout cas, si je stream, ce serait aux alentours de 14h30, probablement. Mais voilà, en tout cas, en espérant vous revoir et que ça vous ait plu. Je vous fais plein de gros bisous.